Et si j'appuie pas sur le bon bouton, ça marche pas. Nous sommes de retour. Stanislas. Stanislas, tu es actuellement dans ton lit. Tu dors, tu te reposes. Les derniers jours ont été plutôt rudes. Pour l'instant, tu dors. Rien ne vient te déranger. Tu te reposes littéralement jusqu'à un moment donné où il y a un petit peu de lumière qui vient te déranger. Tu es donc dans ta chambre, dans ta luxueuse chambre, dans ta grande chambre. Au niveau de la fenêtre, tu remarques quelqu'un que tu connais bien. Enfin, bien. Si, tu le connais bien. C'est ton majordome. Il s'appelle Norbert. Et lorsqu'il remarque que tu es réveillé, il se tourne vers toi et vous fait... Oh, monsieur, bonjour, je vois que vous êtes réveillé, j'espère ne pas vous avoir trop dérangé, mais vous m'aviez demandé de vous réveiller comme convenu à 9h, donc voilà. 9h, ça arrive vite quand même 9h, hein. Hein, parce que ça pique un peu à la gueule, Norbert, non? Vous alors, avez oublié pourquoi? Alors, c'est-à-dire que, en général, juste avec de l'eau, ça passe. Mais c'est vrai que quand on mélange un peu, c'est vrai que là, c'est difficile, Norbert. Tiens, une petite aspirine, hein, si ça vous dérange pas. Vous avez rendez-vous à l'aiguille dans 2 heures. D'accord. Eh ben, c'est parti. Allez. Vas-y, on va peut-être. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'habille, Norbert? Norbert, je... je vous conseille de vous habiller. Je vous conseille de nourrir avant de partir. Si vous voulez, je peux mettre la télévision dans le salon pendant que vous mangez, histoire que vous soyez au courant des dernières actualités. Très bonne idée, Norbert. Très bien. Très bonne idée, ça. Je vous prépare quoi pour le petit déjeuner? On va partir sur les petits œufs brouillés avec du bacon. Entendu. Je vais vous préparer ça. Il sort, il te laisse le temps de te réveiller, de t'habiller, tout ça, il sort. Tu entends plus loin dans l'endroit où tu vis, tu entends des bruits qui laissent deviner que Norbert s'active en cuisine. Tu commences à sentir des odeurs. Il faut que je monte ton son, donc je vais encore détruire l'overlay un petit peu. C'est pas grave, on s'en remettra. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Il me reste combien de temps là avant d'aller... Il faut que tu sois à la réunion il y a 2 heures. J'ai augmenté son type normalement, je vous laisse me confirmer le chat. Faut que je sois à la réunion dans 2 heures. Dans 2 heures. Ouais, bah, il y a 2 heures. Pardon, dans 2 heures. Ça fait 2 heures que tu bouffes tes œufs et ton bacon et qu'au final la réunion est déjà passée. Dans 2 heures. Du coup... Ah, on a perdu type. Les soucis du JDR à distance. Alors attendez, on va attendre qu'il revienne. C'est gênant. C'est pour ça que les JDR sur tape c'est bien. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. La code type est merdique, faut dire. C'est vrai. Mais ça coupe rarement comme ça quand même. À moins que ce soit... Non, c'est même pas l'appli Discord qui a bugué, hein, donc... Non, c'est vraiment lui. Ouais, voilà, c'est vraiment lui. Je vais faire ça au cas où il revienne, mais... Voilà. Bon, bah... On peut dire que ça commence bien. Il s'est encore gouré de bottes de conserve. Je vais voir s'il m'envoie un message. Du coup, je vais regarder ce mail de type. De type de Twitch, en attendant que tu reviennes. Ah, on a perdu sa cam. C'est revenu. Ah, vous m'entendez? C'est bon, je t'entends. Alors normalement, c'est en train de revenir. Mais tu dois avoir la caméra en mode sale. Ah ouais, la caméra est dégueulasse. Ouais, je remets. Alors, voilà, merci. Je vous laisse deviner ce que j'ai fait. T'as appuyé sur le bouton de ta prise. T'as fait ça? Non, j'ai fait un truc que je n'avais pas fait depuis plusieurs mois maintenant, plusieurs années, hein. Longtemps que ça ne m'était pas arrivé, je me suis installé bien sur ma chaise, j'ai croisé les jambes,
et j'ai appuyé sur le bouton power. Ah de yes. Ma tour. Je l'ai déjà fait chez à l'époque où j'étais sur la taverne. Je l'ai déjà fait sur la taverne. Je suis navré. Alors. C'est pas grave. Du coup, je attends, LS, je vais récupérer le truc pour le mettre sur le chat. Hop. Mais tu peux continuer de toute façon le temps que je remette tout tranquillement. Voilà. T'inquiète. C'est okay. Voilà, comme ça je vais prendre le lien de. Ça dure jusqu'à quelle heure? Jusqu'à ce qu'on en ait marre, mais a priori ça finira vers 23h minuit. Dans ces eaux-là. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Vous voyez, il mélange les mots souvent. Qu'est-ce que j'ai mélangé? Minute 14. On peut partir sur ça. C'est toujours l'horaire adéquat. C'est ça. Alors. Voilà, donc voilà, Doc donc je n'avais fait... pas encore vu l'image de mon salon, de ma chambre. Voilà, donc l'image de ton salon. Donc. J'ai récupéré le chat. Du coup. Du coup, je disais, tu t'es réveillé après dans... m'être rendormi. Visiblement. Tu te réveilles une demi-heure plus tard. Norbert est à la porte de la chambre, il a toqué. Visiblement, tu prends un peu trop de temps à t'habiller. Tu es toujours sur la couette. C'est gênant. Ouais, non mais Norbert, sois gentil avec moi. Mais vous êtes bien gentil, hein, parce que sans vous, qu'est-ce que je ferais, Norbert, quand même hein. Du coup, oui, tu me demandes ce que je fais pendant que je prends mon fort bon petit déjeuner cuisiné par Norbert. Bah justement, je regarde un petit peu les actualités qu'on m'a allumé la télé. Alors, qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qu'on m'y raconte? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur BFM News. Nous sommes le 27 août 2067, il est 9h30 et c'est parti pour un récap des informations. Aujourd'hui, nous apprenons qu'un nouveau conseiller va rejoindre le conseil d'administration de Neo Paris de la Care Corp. Il nous vient d'une famille riche fondatrice d'une nouvelle innovation technologique au cours des années 2000. Il a 2010, peut-être même il a fondé un nouveau mode de nutrition et il va le rejoindre, c'est un certain Bourbon, fils d'Anthony Bourbon, qui rejoint donc le conseil d'administration de la Care Corp aujourd'hui. Pour le reste, nous apprenons que les tensions sont toujours légèrement actives dans la basse ville, bien que les forces de l'ordre et la milice fassent leur maximum pour tenter de calmer la population. Enfin, n'oubliez pas, 75% de promotion chez NordVPN avec notre code BFM News. NordVPN, ça fait quand même des années qu'ils sont sur le marché, Norbert. Hein. Non, mais ils sont bons, hein, Norbert. Vous dites ça, mais je dois vous rappeler le destin de l'entreprise de votre père, monsieur. Oui. Enfin bon. C'est vrai que depuis que je suis revenu, quand même, ça parle pas mal de moi, Norbert. Mais ça en parlait autant avant que je revienne, ou c'est que depuis maintenant là qu'il s'excite? Alors, avant que vous reveniez, on s'intéressait surtout à votre père, en réalité. Ouais. Son décès a fait grand bruit, oui. D'autant plus qu'il était relativement jeune. C'est vrai. Ah non, mais ouais, mais du coup, ça va être compliqué de passer incognito là-dedans. Hein. Est-ce qu'on a vu ma tête à la télé ou est-ce que pour l'instant c'est assez tranquille Oui, il me semble que vous avez été filmé l'autre jour aux funérailles de votre père. D'accord. Bon. Donc oui, non, les gens savent à quoi vous ressemblez, je suis désolé. Mais au pire, ne sortez pas du... élément de l'or que j'ai oublié qui est écrit sur un papier. Au pire, ne sortez pas du quartier des étoiles et tout ira bien. D'accord. Norbert, vous penserez quand même, hein, si on vous demande des interviews ou quoi que ce soit, vous répondez systématiquement non. D'accord ? Entendu, hein, monsieur. Merci, Norbert. Bah, je vais commencer à me préparer et puis y aller. Norbert, vous me commandez un petit taxi ou il me reste combien de temps, là ? Dois-je vous rappeler que nous avons une limousine familiale, monsieur ? Ah bah oui. Alors, Norbert, on va pas se laisser aller. Bah, préparer la limousine et puis Très bien. Voiture, Simone. Quoi, Norbert, du coup. Mais bon, dites-moi Norbert d'ailleurs, ça vous dérange pas que je vous appelle Simone de temps en temps? Ça risque de me faire très étrange, monsieur. C'est pas grave. Allez, faites chauffer la limousine, Norbert. Très bien. Norbert va donc préparer la limousine. Est-ce que tu veux faire quelque chose d'autre dans ton habitation avant de partir? Non, en vrai, j'essaie de prendre un maximum de paperasse que je suis censé... parce que bon, on sait très bien que là, je vais à la Réunion.
J'y vais un peu, moi, avec un certain flou. Hein. Je sais que j'y vais avec des paperasses, j'ai hérité de plein de trucs. Là, je prends la moitié sans savoir ce que c'est. Et puis, voilà, on va essayer de faire bonne figure. Mais bon, j'y vais quand même à moitié serein, en me disant que bon, ça va le faire assez easy. Hein, mais bon, s'il y a peut-être moyen de ne pas oublier des conneries qu'on va me demander, au bout de 2 secondes, je vais être gêné parce que je ne les ai pas avec moi. Donc voilà, je prends un maximum de paperasses sans trop savoir ce que c'est. Ok. Après, évidemment, t'être habillé de façon convenable pour cette réunion à l'aiguille. Qu'est-ce qu'il m'a choisi, Norbert, d'ailleurs, là ? Il t'a pris un costume extrêmement classieux, élégant, mais pas festif. Quelque chose de très officiel. C'est littéralement un costard-cravate de très bonne facture qui va montrer... qui va autant montrer la fraîcheur de ta jeunesse que le sérieux de ton caractère. Pas bien ça, Norbert. Norbert, on me connaît bien quand même. Ah, Norbert, vous êtes quand même un amour. Hein. Ah, formidable. Je dois avouer que je vous ai vu grandir pendant quelques années, monsieur. Ah, bah oui. Nous y allons ? Ah, bah quand tu veux, quand vous voulez, excusez-moi, Norbert, hein, mais bon. Allez. Tu prends la voiture, vous prenez la limousine qui vous amène jusqu'à l'aiguille. La voiture, comme toutes les voitures dans cet univers, vole. Sont auto-dirigés et Norbert n'est là dans la voiture que pour assurer ta sécurité et éventuellement te faire la discussion. La voiture avance au milieu du quartier des Étoiles, tu vois, le long des rues, si on peut appeler ça, au minimum des passages pour piétons qu'il y a au sol, tu vois d'immenses villas similaires à celle que tu as quittée, qui est la tienne, la Villa Bourbon. Vous rejoignez le centre du quartier des Étoiles jusqu'à l'ascenseur et jusqu'à cette ouverture qui vous permet d'accéder à l'aiguille au-dessus. L'aiguille est l'endroit le plus haut de Néo-Paris et c'est un bâtiment administratif et officiel. Le seul dans ses hauteurs habituellement, typiquement le quartier des Étoiles n'est qu'un quartier résidentiel et sinon le reste des commerces et administrations se trouve en dessous. Seule l'aiguille est un pôle administratif, et ce n'est pas n'importe lequel, c'est le pôle administratif de la Kerkorp. Kerkorp qui, je te le rappelle, est la société qui a racheté Paris pour en faire Néo-Paris après la faillite des États. Tu arrives dans l'aiguille, et c'est très étrange comme lieu. Ça fait longtemps que t'as pas vu de bâtiment comme ça. Extrêmement moderne, extrêmement technologique, avec peut-être même quelques technologies que tu vois très rarement, de type des hologrammes tangibles, par exemple. Arrivé là-bas, ce sont des officiels, mais pas les grandes pontes, juste des gens qui sont chargés de réseau, voilà, qui t'amènent à une salle de réunion. Dans cette salle de réunion, autour de la table, tu vois 7 personnes. Il y a des femmes, des hommes, tous sont relativement âgés, tous sont plus âgés que toi, clairement, d'au moins 10 années. Ils sont tous très sérieux, en tailleur, en costard. Ils semblaient attendre, tu n'es pourtant pas en retard, mais tu pourras noter que visiblement, il est de bon ton d'arriver un peu en avance. Tu fais quoi, arrivé à l'entrée de cette salle ? Je rentre dedans et puis messieurs dames, bonjour. Bon. Tu reçois quelques pour la réunion. Tu reçois quelques hochements de tête en réponse. Tu vois qu'il y a évidemment beaucoup plus de sièges qu'il n'y a de participants, mais dans un coin, tu vois un siège avec je sais plus comment ça s'appelle, enfin un petit présentoir avec les noms. Et sur celui-ci, tu vois A. Bourbon. D'accord. Donc, je demande si apparemment, bon, j'imagine que je m'assois ici. Ou est-ce que vous pensez que. Est-ce que je garde l'ancien écriteau ? J'essaie de lancer ça dans la salle, hein, de type. Petit coup de. Bon. Petit coup de, d'humour léger. Et je, est-ce que ça a visiblement détendu un petit peu l'atmosphère ? Ou est-ce que. La seule réponse que ton humour reçoit, c'est son écho contre les murs. D'accord. Bon. Et sinon, tu obtiens un hochement de tête.
de la part de la personne la plus âgée qui est en bout de table, qui semble visiblement présider cette réunion. Eh ben ok, ok. Ben écoutez, je ne dis rien de plus. Hein. Je reste dans ma tête un petit peu et je me dis que je vais m'asseoir et pas essayer de trop bousculer les habitudes de ces vieux messieurs dames. Tu t'installes à ta place et aussitôt la personne qui a hoché la tête te donnant signe de t'asseoir commence la réunion. Mesdames, messieurs, bienvenue pour cette réunion de la Kerkorp, du conseil d'administration de la Kerkorp. Étant donné que nous avons un nouveau venu parmi nous, monsieur Stanislas Jérémy Anthony Bourbon, nous allons par conséquent faire un petit tour de présentation, un petit tour de table, afin que chacun soit au courant de qui est monsieur Stanislas Bourbon et qui sommes-nous autour de cette table. Je propose de commencer par vous, madame Carter. Il désigne une femme qui est au bout de la table. C'est une femme parmi les plus jeunes autour de la table. Elle doit avoir 45-50 ans. Les cheveux qui commencent à se poivrer salés et les traits tirés par la fatigue. Elle est très stricte dans sa tenue, un peu moins sur son visage. Elle a un chignon et elle commence à se présenter. Elle s'appelle Elizabeth Carter. Elle fait partie du conseil d'administration depuis maintenant plus de 10 ans. Tout comme vous, elle a hérité de la place de sa mère, qui était ici avant. Voilà, elle n'en précise pas plus sur sa vie privée, en même temps c'est pas tellement le ton de la réunion. Et elle présume que tu sais déjà le reste. À côté d'elle, se présente Monsieur Léon Gantin, qui est un homme très carré, très droit, très dur, très strict. Rien qu'à sa voix, tu devines que non. Quoi que tu puisses vouloir dire contre lui, ce sera non. Si tu n'es pas d'accord avec lui, ça va pas aller. Puis vient le tour de la personne qui préside la table, monsieur Pierre-André de la Rullière, qui est le plus âgé de tous. Il doit avoir 80 ans, peut-être même plus. Il est grisonnant, il est un peu mal en point. Physiquement, voilà. Il se présente comme ayant pris la relève de ton père, puisque c'est ton père qui présidait l'assemblée et le conseil d'administration avant. Pour des raisons évidentes d'inexpérience, ils ne vont pas te rendre la main du conseil d'administration. Ça m'arrange un petit peu aussi de mon côté. Donc voilà. À côté de lui, on a David Bocuse, qui est relativement jeune. Il doit avoir, enfin relativement jeune, à l'échelle de la table, mais il doit avoir, 40-45 ans. Cheveux gominés en arrière. Très. C'est presque celui qui fait le plus tâche dans le conseil. Il aurait plus sa place autour d'une table de mafieux que dans ce conseil. À côté, tu as Armel Deloffre, qui est âgé, vraiment âgé, qui doit être dans les âges de Pierre-André de la Rullière, qui, tu vois, les directrices d'école primaire très sévères, tu vois le cliché? C'est ça, mais à la retraite 20 ans plus tôt. L'ambiance. Juste à côté, tu as Rachel Hector, qui est pour le coup la plus jeune de la table, qui est encore plus jeune qu'Elisabeth. J'ai peut-être dit des bêtises tout à l'heure en disant qu'Elisabeth était la plus jeune, mais Rachel est un peu plus jeune qu'elle. Elle a 35-40 ans. Elle est vraiment dans la force de l'âge, rousse, cheveux lisses. Elle prend vraiment soin de son apparence. Elle se demandait si elle gère pas peut-être une entreprise d'esthétique, de cosmétique, un truc comme ça. Donc voilà, Rachel Hector. Et enfin, à côté de toi, tu vois Maurice Dubost, qui physiquement ressemble à Etchebest. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a un rapport avec la cuisine? Tu n'en as aucune idée, à moins que tu poses la question. Ouais, peut-être un peu tôt. pour l'instant, on fait profil bas. Hein. J'ai tenté un petit peu de tâter le terrain, c'est un peu bon. Et vient ton tour de te présenter, je te laisse t'introduire.
Écoutez, bonsoir, enfin bonjour, messieurs, dames. Donc, Stanislas Bourbon, mais bon, est-ce que vraiment j'ai besoin de me présenter? On sait tous pourquoi je suis là. Bon, ça me fait un petit peu bizarre, je vous avoue, de me retrouver, de revenir aussi vite, hein, de me remettre un petit peu en ville comme ça, de but en blanc. J'ai à peine le temps de reprendre mes marques et me voilà déjà à cette réunion. Donc, dans un premier temps, voilà, n'hésitez pas à me mettre au courant un peu de tout ce qui se passe. Et bien sûr, j'imagine que tout le monde est navré pour moi le premier, hein, du décès de mon père dernièrement. Et je suis très flatté, hein, que notre cher Pierre-André préside à la place de mon père. Et je ferai tout pour bien évidemment être à la hauteur, hein, des actions de mon père jusqu'ici, quoi. Hein. Très voilà. Bien. Bien, étant donné que vous prenez vos fonctions dans cette assemblée, Monsieur Bourbon, nous allons évidemment devoir vous donner des responsabilités au sein de cette assemblée. Nous avons trois postes, entre guillemets, trois types de responsabilités à vous proposer. Je vais vous laisser choisir celle qui vous intéresse le plus. Dans un premier temps, nous pouvons vous nommer responsable de la milice urbaine. C'est-à-dire que ce sera vous qui serez en charge de la gestion du comportement des citoyens, du gestion de notre milice et donc des forces de l'ordre, ainsi que de la politique que vous souhaitez qu'il soit appliqué dans les rues. Mmh. La deuxième option est la responsabilité des centres de citoyenneté. Vous serez amené évidemment à sortir de Néo-Paris pour visiter les centres de citoyenneté, constater leur état et les manœuvres qui seront à faire à l'intérieur, que ce soit en termes de discipline ou en termes de... Tout à fait. Et enfin, vous avez le pôle sciences et technologie, qui lui n'est pas loin, il se trouve un ou deux quartiers plus bas, où vous allez pouvoir diriger les principales avancées scientifiques et technologiques de la cité, qu'elles soient militaires, quotidiennes ou plus secrètes. Est-ce qu'un de ces postes vous attire en particulier ou est-ce que vous avez des questions, Monsieur Bourbon? Oui, parce que là, vous me dites que je suis assez surpris de pouvoir choisir aussi facilement entre ces trois postes, mais je vois également que la table est un petit peu, excusez-moi, est un petit peu vide autour. Hein, mais qui étaient ces trois personnes, justement? Parce que j'ai l'impression qu'on recrute un petit peu. Absolument pas. C'est des fonctions qui font que, bon, voilà, j'imagine aussi, vous ne filez pas n'importe quoi, et voilà, mais j'ai l'impression qu'on recrute un petit peu. En réalité, ces trois postes étaient occupés par votre père. Ah. Et étant donné votre inexpérience, nous ne vous en confions qu'un, et d'autres personnes autour de la table s'occuperont de gérer les deux autres. Mais du coup, mon père prenait aussi toutes les autres chaises ou Non, cette table de réunion est... Cette salle de réunion sert à beaucoup d'autres choses que juste les réunions du conseil, il n'y a pas que nous qui faisons réunion ici. D'accord. Ce qui explique l'ajout de place. Mais pendant les réunions du conseil d'administration, nous ne sommes que 7. 8 désormais. Dommage, ça aurait été marrant. Écoutez, non, mais au-delà de la plaisanterie, hein, si je vous dis les centres de citoyenneté et que je vous montre, bien sûr, hein, mon bras, hein, vous savez que je déconne, mais qu'au bout d'un moment, centre de citoyenneté, je saurais bien évidemment y faire. Seulement, je me demande si j'ai vraiment envie de m'y remettre tout de suite et on se prendrait pas un petit science et techno de manière à reprendre mes marques tranquillement, hein, bien évidemment, avant de se remettre direct dans le jus, hein. Vous prenez du coup le pôle sciences et technologies? Bien évidemment, messieurs-dames, bien évidemment. Entendu. Autour de la table, qui souhaite prendre la responsabilité des centres des citoyennetés? La main de Elizabeth Carter se lève. Et du coup, c'est Elizabeth Carter qui hérite des centres des citoyennetés. Alors, il faut que je vérifie que j'ai pas des initiales en double, parce que j'ai juste écrit les initiales pour pas oublier ça. Et concernant la mise urbaine? Et c'est Maurice Dubost, à côté de toi, qui lui va lever la main. Très bien. Est-ce que quelqu'un ici a des sujets particuliers à faire remonter? C'est Armel Deloffre, donc la vieille prof, qui prend la parole. Nous avons entendu dire que de plus en plus d'Axi commencent à entrer en ville... Et ça commence à réellement devenir un problème, monsieur le président. Excusez-moi, j'ai pas entendu de plus en plus de... D'Oxy.
Et là, c'est Elizabeth Carter qui vient à ton secours en mode « Ah oui, c'est vrai que vous n'étiez pas en ville pendant les 10 dernières années. » Oui, voilà. C'est vrai. Mettre des petits briefs de temps en temps. C'est, voilà. Alors, l'Axi ou l'Axinatium est une drogue qui est conçue dans les bas-fonds, voire dans les catacombes. On n'a pas encore réussi à localiser la production exacte, mais qui est revendue aux citoyens. Et c'est une drogue assez efficace pour les booster, augmenter leur productivité au travail, et donc plus facilement leur permettre de maintenir leur état de citoyenneté. Voilà. Axi, non, mais il suffit d'employer les bons termes, mais voilà, on sait tous de quoi on parle, messieurs, dames, d'accord. Donc voilà, c'est... ok. Le président reprend la main et fait « Effectivement, le problème c'est qu'on ne peut pas décemment faire une descente musclée dans les bas-fonds, tout simplement parce que déjà, il y a trop de monde, et que j'ai pas envie qu'on se mette les gangs à dos, ça risquerait d'être dangereux. Est-ce que quelqu'un a une solution à proposer ? Est-ce qu'on sait exactement ce qu'il y a dedans dans le... Moi, je dis ça, par exemple, en prenant le pôle... Actuellement, non, mais il pourrait être intéressant que vous fassiez une étude. Encore faut-il que vous réussissiez à vous en procurer. Je veux dire, dans un cadre purement professionnel, on peut commencer par s'en procurer. Dans un premier temps, on verra au labo ce qu'il en est, mais voilà. Plutôt que d'envoyer directement à la milice urbaine, je veux dire... Je pense que petite mission d'infiltration, récupérer, voir déjà de quoi il s'agit. Et en fonction, peut-être qu'en repérant certains composants dedans, ça nous mènera vers certaines pistes. Il sera dans tous les cas plus sécurisant que vous restiez en ville, vous. Ceci étant, on va tâcher de recruter, de récupérer quelqu'un dans la Carcorp qui ira s'en procurer pour vous et vous le ramener au laboratoire. Par ailleurs, pendant que j'y pense, les laboratoires, puisque je pense que vous connaissez assez mal la ville, d'autant plus que c'est une installation récente, le laboratoire, votre laboratoire, est un bâtiment caché dans le quartier du Progrès. Vous notez. Je suis désolé de devoir vous envoyer là-bas, mais notre bâtiment se devait d'être discret, c'était impossible à faire dans la haute ville. Ben, ça fera de la visite. Bien. Du coup, je vous laisse... comment dire ? Je vais vous mettre en... Enfin, je vais demander à quelqu'un de vous contacter. Il s'occupera de... récupérer de l'axi pour vous et vous l'apportera au laboratoire. Avez-vous la moindre formation scientifique, par contre, monsieur ? Je vais pas vous mentir, on n'est pas non plus aussi performant hein, que certains des chercheurs. Mais qu'on a quand même des bonnes bases, hein, de notre côté. Dis-nous, parle de moi. Une petite base. Très bien. J'ai pas pris science et techno pour rien. Bon. Voilà, hein. Faites-moi confiance à ce niveau-là. Okay. Je peux peut-être même vous surprendre par rapport à ce que mon père en savait. Alors attention. Hein. Dans tous les cas, vous avez gagné au change. Dans tous les cas, si besoin, nous disposons d'une technologie qui pourrait vous être fort utile au laboratoire pour engranger les connaissances nécessaires. Ça marche. Très bien. Donc oui, je vais vous mettre en relation avec quelqu'un qui viendra vous chercher, enfin, vous contacter. Pour gérer ça, tout simplement. Très bien. Ok. Étant donné que nous nous sommes déjà réunis il y a quelques jours à peine, malheureusement, entre votre absence, mais nous n'avons pas beaucoup de sujets à évoquer aujourd'hui, sauf si quelqu'un y voit le moindre inconvénient, je propose de lever cette séance et de nous retrouver la semaine prochaine. D'accord. Du coup, j'ai pris... donc j'ai pris tous les paplards pour rien. Je suis désolé, mais nous avons... Non, oui. Non, mais c'est au cas où, quoi. Je veux dire, il y avait le... C'est con, il y avait le bon.
Dans tous les cas, ce que je vous conseille, c'est dans les jours à venir, voire aujourd'hui, si vous avez le temps, n'hésitez pas à aller visiter justement le laboratoire, vos équipes, savoir sur quoi ils travaillent, etc., afin que vous puissiez être le plus apte à opérer vite et efficacement. C'est dommage, j'avais quand même mis une demi-heure à retrouver mon carnet de santé, quoi. Donc après, bon. Mais non, mais bon, au moins je te guidais. Il se lève sans rien répondre, hoche la tête en disant « Mesdames, messieurs, merci de votre présence. » Et il s'en va. Je l'aime. Il est rapidement suivi par les autres personnes qui ferment leur livre, qui ferment leur machin, qui rangent leurs affaires, qui repartent. Tu remarques qu'une personne range très lentement ses affaires, semblerait presque chercher à attirer ton attention et à rester seul avec toi maintenant que cette réunion est terminée. Une de ces 7 personnes, tu dis ? Oui. C'est Elizabeth Carter, la première personne qui s'est présentée. Une fois que tout le monde est parti, que la porte a été refermée, à moins que tu n'aies souhaité sortir aussi. Non, bah non, du coup j'en profite. Je traînasse un petit peu. J'essaie de voir ce que ça dit, du coup. Elle se redresse, rajuste son tailleur, se fait belle ou élégante, ou tente de se rendre belle ou élégante, et elle t'adresse la parole. Stanislas, accepteriez-vous de venir converser avec moi en mon domicile afin que nous puissions échanger sur cette question de l'axie, également sur les responsabilités qui vous incombent désormais? Alors, pourquoi pas? Alors, parce que moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais pourquoi forcément le domicile? Il y a des lieux un peu, par exemple, prenez un exemple, cette salle de réunion, ça peut faire partie des lieux de, ça marche quoi aussi. Alors pourquoi spécialement le domicile, madame? Nous y serons plus confortables. Et au-delà de ça... Pardon. Enfin, je veux dire, les fauteuils ne sont pas dégueux non plus, quoi. Après, bon, c'est pas... Mais ça va. Nous y serons plus confortables. Et au-delà de ça, je sais que cette salle est équipée de caméras de surveillance. Et non pas que j'ai spécialement envie de vous dire des choses qu'il ne faut pas entendre. Mais j'ignore ce que vous pourriez avoir à me dire. D'autant plus que j'ai des questions à vous poser. Donc, pour la sécurité de ce que vous pourriez raconter, c'est un conseil. Mais si vous souhaitez absolument le faire ici, nous le pouvons. Non, mais je veux faire confiance, dites. Convenir d'un petit rendez-vous, et puis voilà, après... Bon. Très bien. Juste savoir pourquoi spécialement le domicile, après, bon... À vrai dire, je ne sors guère de chez moi ou de ce bâtiment, donc... Mais vous apprendrez ça, je dois admettre que la vie de Platine ne doit pas beaucoup vous être familière depuis ces 10 ans à l'extérieur de la ville, mais je pense que vous vous y ferez, et oui, vous comprendrez qu'on a... Excepté vous qui allez devoir descendre au quartier du Progrès pour rejoindre le laboratoire, habituellement, quasiment aucune personne du conseil ne sort du quartier des Étoiles, très sincèrement. Eh bien écoutez, moi ça me va. Quand est-ce qu'on se fixe un petit rendez-vous Maintenant. Ma chère Elisabeth. Maintenant. On y va maintenant. Je n'ai rien de prévu. Allez, Elisabeth. Vous avez un chauffeur ou j'appelle le mien? Eh bien figurez-vous que ce matin j'ai une limousine. Eh bien ça vous embouche un coin ça, et ben moi aussi. Allez. Elle ne sait pas comment répondre. Elle est très. Elle a bugué de ça. Elle était en mode. Bien. Votre chauffeur est encore là ou il est rentré à votre villa? Eh ben, on va passer un petit coup de fil à Norbert, mais il me semble qu'il est encore dans le coin, non? Très bien. Tu préviens Norbert. Effectivement, Norbert est encore dans le garage de l'aiguille. Ça marche.
Allô? Allô Norbert? Oui monsieur? Oui, alors du coup, bon, en même temps on n'avait rien de prévu de spécial, par contre voilà, je vais vous envoyer une petite adresse, j'arrive avec quelqu'un et voilà, préparez-vous, il va falloir y aller là. Vous montez à l'aiguille et vous allez chez quelqu'un, c'est ça? Tout à fait, ce Elisabeth Carter, sauf si vous avez déjà l'adresse dans votre base de j'ai déjà l'adresse dans mon... Eh bah, c'est parti. Vous comprenez bien qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vit au quartier des étoiles non plus. Non, mais on sait jamais, on sait jamais. Non, mais enfin, je ne sais pas, forcément. Très bien, je vous attends en bas et je vous mènerai au domicile d'Elisabeth Carter. Très bien. Tu prends du coup l'ascenseur, forcément, avec Elisabeth Carter pour redescendre au niveau des garages. À ton grand étonnement, il ne se passe rien dans cet ascenseur. J'en suis assez rassuré intérieurement. Attendez, je vais monter le son de type. Une énième fois. Hop. Pas de souci, au pire, je voilà. Crie. Hein. Non, t'en fais pas. Du coup, tu descends cet ascenseur. Est-ce que toi, tu vas lancer une discussion pendant l'ascenseur ou pendant le trajet en voiture? Vous avez une limousine, vous aussi, non? Et évidemment. Non, mais c'est... Oh, c'est pour savoir quoi. Je demande, quoi. Êtes-vous informé de la teneur du quartier des étoiles, monsieur Bourbon? Enfin, vous pouvez avoir envie de vivre une vie modeste. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a la possibilité de le faire, forcément. Je veux dire, vous avez peut-être fait le choix. Je veux dire, moi je pose la question. Je dis peut-être que de votre côté, vous vous êtes dit, bon, la limousine, pas forcément. Alors que souvent, bien souvent, vous n'allez pas me la faire, on se trimballe tout seul. Donc l'intérêt d'avoir, peut-être que vous préférez, je ne sais pas, mais je fais la discussion comme ça. En vrai, en plus, je m'en tape de savoir si vous l'aimez. Mais bon, je demande, je fais la conversation. Voilà. Du coup, je le sais. Voilà. Au-delà de ça, la limousine est fournie dans tous les domiciles du quartier de l'Étoile, monsieur. Elle est comprise avec. Ah, mais vous pourriez ne pas la... Prendre, merci de la précision, parce que, Bien. Alors, racontez-moi. Comment... Racontez-moi quoi. Comment s'est passé, votre retour en ville, après tout, vous avez dû être rapatrié d'urgence lorsque nous avons appris le décès de votre père. J'ai pas eu le temps de finir tout ce que j'avais de prévu. Voilà, ça s'est fait très vite après. Je veux dire, dans des circonstances comme ça, je décolle, mais bon, faut revenir. Et puis, voilà, c'est un peu brutal. C'est pas le même. C'est pas le même climat. Dans le sens, pas climat, la chaleur. Hein, mais, Je comprends. Voilà. Mais nous en parlerons un petit peu plus à la maison. Ouais. Justement, ils arrivent. Devant toi, tu vois la Villa Carter, une énorme demeure extrêmement riche, extrêmement luxueuse, extrêmement classieuse. Évidemment, il y a un majordome. Évidemment, il y a un grand luxe. On t'amène dans le petit salon où tu vas t'installer avec Madame Carter. Vous souhaitez peut-être boire quelque chose, monsieur Bourbon? Est-ce que vous avez de l'eau? Bien évidemment. Plate ou gazeuse? Surprenez-moi. Entendu. Non mais d'ailleurs, excusez-moi, oui. Surprenez-moi tout court en fait, pas forcément, allez, je vous fais confiance, excusez-moi Elisabeth Carter, je suis méfiant, hein, mais allez-y, je vous fais confiance. Axi? Non pas du tout, non ça c'est ce que j'ai noté. Ah bon? Non, j'ai écrit Axi sur ma feuille pour écrire autre chose et du coup non. Benjamin, voulez-vous bien nous préparer quelque chose de surprenant pour notre invité? Je prendrai la même chose. Un homme un petit peu corpulent entre, hoche la tête et ressort. Un
Un silence de mort rôde dans la pièce, qui me laisse le temps d'écrire des trucs sur ma feuille. C'est le malaise. C'est un peu le malaise. Je te laisse le briser si tu le souhaites, à moins que tu ne laisses le silence tenir jusqu'à ce que la boisson soit arrivée. Tu constates peut-être quelque chose. On va commencer la soirée. Prends ta fiche, s'il te plaît. Tout à fait. Rapidement pour les viewers, toutes les statistiques de ce jeu de rôle vont de moins 2 à plus 3. 0 représente l'individu normal. En dessous, c'est être moins bon. Au-dessus, c'est être plus bon. Meilleur. Je vais, du coup, te laisser faire un test. Avec, je revois mes stats en même temps. Avec 2 dés de perception. Alors, donc, on part sur... alors, 2 dés de perception. Perception, je suis à 1. On soit d'accord, hein. Ah oui. Valeur. Donc, je fais 1-1. Et du coup, plein de 0 derrière. Donc, 1-1-0-0-0. Ah, le bot est mort. Je vais réveiller le bot. Pas grave. J'ai fait plus, hein, voilà, c'est marqué. Tu vas faire réussite plus, hein, tout à fait. Évidemment, réussite, évidemment, échec. À côté de la réussite, on a la valeur du test. Si c'est plus 1, c'est quelque chose qui est réussi. Si c'est plus 3, c'est quelque chose qui est bien réussi. Si c'est plus 5, c'est quelque chose qui est vraiment bien réussi. Si c'est critique, c'est critique. En l'occurrence, c'est donc une réussite modeste. Tu remarques clairement qu'Elisabeth est en train de t'analyser visuellement, de visu. Elle scrute tes chaussures, tes chaussettes, ton pantalon, ta ceinture éventuellement, ton costume, ta cravate, tes mains, tes bagues, tes bijoux, tes blessures, tes balafres, ton bras mécanique évidemment. Elle analyse, enfin, tu vois qu'elle regarde, elle essaye de voilà, elle essaye de t'analyser, de prendre le plus de détails possible sur toi en silence. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu veux faire pareil ? Est-ce que tu veux ne rien faire et te laisser observer, profiter de cette femme qui découvre ton corps ? Je fais des petits sourires histoire d'essayer de pas que ce soit trop malaisant, quoi. Mais j'attends qu'elle, parce qu'à la base, c'est quand même, quoi, je veux dire, c'est quand même elle qui a invité. Du coup, je me dis bon, j'essaie de pas trop l'importuner et puis j'attends de voir ce que ça dit, quoi. On frappe à la porte. Allô ? Elisabeth fait. Oui, entrez Benjamin, je vous en prie. Elle, tu vois qu'en fait, tu vois que le toc-toc sur la porte là, lui a fait se ressaisir. Genre, elle était perdue dans sa contemplation de ton corps. Et le toc-toc l'a littéralement reprise et elle a fait un truc un peu en mode. Oui, entrez Benjamin. Et Benjamin entre sur un plateau. Il dépose devant vous des coupes de... Tu vois les coupes à cocktail vraiment triangulaires, remplies d'un liquide rouge presque vif, translucide, avec une cerise au bout d'un cure-dent, un petit parasol, enfin un très beau cocktail rouge. D'accord. Bah, écoutez, merci Benjamin, je prends mon... Alors du coup, je devine ce qu'il y a dedans ou est-ce qu'on a un petit intitulé? Parce que bon... Benjamin, attention, moi je peux deviner, hein. Attention, on peut deviner, hein. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, Benjamin. Oui, je vous ai servi la spécialité de la maison Carter. Très bien. Il s'agit d'un brin de rhum, d'un brin de vodka, le tout aromatisé à la grenadine et au citron. Eh ben merci. Eh ben c'est. La vôtre, hein, du coup. Alors, je ne vais rien dire, type, mais je vais te laisser faire un test. Ok. Fais-moi, s'il te plaît, un test. Eh ben... De volonté, donc 2 dés de volonté. 2 dés de volonté. Un dé de tu sais quoi, mais je vais pas le dire à haute voix parce que sinon c'est pas drôle.
Alors, 2 dés de volonté. 2 hein. dés de volonté. Un dé de tu sais quoi, mais je vais pas le dire au doigt, sinon c'est pas drôle. Oui, oui. Donc 3-3, bien sûr. Voilà. Voilà. Et les deux derniers dés seront à 0. C'est un seul dé au milieu. Ouais, c'est qu'un seul dé au milieu. Excusez-moi. Je me familiarise avec les lancers de dés. Excusez-moi. Oh. Très bien. Très bien. Très bien, très bien. Tu fais secouer la coupe. Et rien de particulier ne se passe. Tu vas pouvoir tranquillement la siroter. Madame Carter, Elizabeth Carter, assise en face de toi sur son fauteuil, croise les jambes, te regarde, elle a les mains comme ça devant elle, devant, il n'y a pas du tout de thé, bref, devant elle, et elle te regarde et... Racontez-moi la purge, monsieur Bourbon. Et... Alors, est-ce que c'est... Alors, ouais, d'accord, c'est... Donc, c'est donc pour ça que vous m'avez demandé de venir en privé Il y a très peu de télécommunications qui nous permettent de savoir comment la purge passe, alors dès que quelqu'un chargé de la purge revient en ville, nous prenons le temps de prendre des nouvelles. Mais la vraie question, chère Elisabeth, c'est est-ce que vous voulez vraiment savoir ? Demande. Vous êtes le premier envoyé à revenir depuis 2 ou 3 ans. Nous n'avons aucune idée de la progression des flancs. Des fronts, ça va rien dire, des flancs, des fronts. Flanc, très bon le flanc, ça vous l'a dit. Mais bon, là, c'est pas... Ni de votre. De vos contacts avec les populations locales, donc. Écoutez, ça se passe comme c'est quoi. Comment imaginez-vous que ça se passe ? C'est pas joli, joli quoi, mais bon, ça. On essaye au maximum de se dire qu'on fait pas ça pour rien. Vous savez, le fait de revenir, c'est aussi un soulagement dans un certain sens. Hein, mais bon, j'imagine. Faut le faire aussi. Hein. Bon, ça... J'imagine. Le dernier... La dernière personne qui est revenue nous a indiqué que... Il était laissé un terrain... assez libre... aux autochtones pour leur permettre d'exercer dès lors qu'ils ne nous empêchaient pas d'exercer. Est-ce toujours le cas ou la situation a changé ? Alors, je vous avoue que j'ai pas très bien compris la phrase, sans vouloir vous vexer, Elisabeth. La dernière personne qui est revenue nous a indiqué qu'il y avait eu un consensus où chaque clan, nous et les autochtones, pouvaient bénéficier de leur partie du territoire et y faire ce qu'ils souhaitaient dès lors qu'ils ne perturbait pas l'autre activité. Est-ce toujours le cas, ou est-ce que ce consensus a été brisé par l'un ou l'autre des clans depuis ? Disons qu'on les laisse faire... voilà, après, tout dépend de ce que vous appelez ne pas déranger les autres. Disons que savoir la limite de quand ils nous dérangent ou ils ne nous dérangent pas, c'est... Chacun se fait sa propre interprétation et il y a plus ou moins, voilà, plus ou moins libre de juger. Mais dans tous les cas, on reste à peu près sur cette règle-là. Bien sûr. Bien sûr. Entendu. Et excuse-moi si la question est indiscrète, mais le bras que vous avez, vous ne l'aviez pas en partant. Vous avez été blessé ? Disons qu'il n'est pas souvent évident de se mettre d'accord entre les deux parties sur quelle est la limite. Entendu. Voilà. Disons que de temps en temps, il faut un peu donner de sa personne. On m'a demandé de vous refaire une explication rapide de la forme de la ville. Étant donné que vous semblez être perdu et quand bien même vous ne soyez pas beaucoup amené à quitter le quartier de l'Étoile, à l'exception de rejoindre le quartier des Progrès. On m'a demandé de vous faire un petit topo rapide de Néo-Paris. Je vous avoue que ça m'arrange un petit peu parce que à la vitesse où ça change, il suffit que vous partiez un petit peu, vous revenez, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est n'importe quoi, attention. Mais bon,
ça, faut quand même avouer que en très peu de temps, la gueule que ça a pris, c'est quand même. Enfin, je sais que tout se fait très vite. Hein. Vous êtes tout de même parti 10 ans, monsieur. Oui, enfin voilà. Donc imaginez. Mais je suis sûr qu'en 2 ans, ça aurait été tout aussi déstabilisant. Donc. Elle. Me montre une ardoise. Absolument pas. Elle appuie sur un outil qui est sur son poignet. Et une interface holographique s'affiche entre toi et elle. Et sur cette interface holographique vont s'afficher différentes choses que moi, pour des questions de praticité, je vais dessiner. Voilà. Elle va te présenter en fait la ville couche par couche, du plus bas au plus haut. Tout d'abord, alors, je vais me tourner, il faut me dire si vous m'entendez mal, mais normalement j'augmente le volume pour que vous m'entendez quand même bien. Tout d'abord, nous avons imaginé que ici nous ayons le niveau du sol, le niveau de la terre. La terre, le dur, le comment on appelle ça le sol. Oui, voilà, le sol, enfin la terre, le gazon, le bitume, enfin ce genre de truc, bref. Voilà. Là où on marche. C'est ça. En dessous, nous savons qu'il y a des réseaux de catacombes. D'anciens réseaux de métro, nous présumons qu'ils sont utilisés par les sans-droits pour premièrement survivre et éventuellement faire pousser des choses. Notamment, on présume que c'est dans ces sous-sols que l'axie est produite. Ensuite, juste au-dessus, vous avez du coup la surface dans laquelle on sait que. Gênant, je suis pas dans le cadre. Métro est pas dans le cadre, c'est pas grave. Dans lequel on sait que ils vivent, ils coexistent en gang. Nous évitons de faire des descentes là-bas, non pas parce qu'ils sont armés ni dangereux, mais simplement parce que ça n'aurait aucun intérêt autre que faire perdre des forces à notre milice, à l'exception que nous constations qu'il y a un quelconque danger pour la cité, qui n'est pour l'instant pas le cas. Donc voilà, la surface, les gangs. De sans droit. Et au-dessus commence la tour, la cité-état. Vous savez, elle est soutenue par d'immenses piliers de raccroche au sol. Et donc au-dessus de ça commence la cité-état, et tous les étages à partir de là sont des quartiers, et chaque quartier a un nom. Tout d'abord, immédiatement au-dessus, le premier quartier qui existe, c'est le quartier qu'on appelait du renouveau. Dans ce quartier, on trouve notamment des zones industrielles, des habitations de très mauvaise qualité pour les personnes qui sont les moins fortunées. Et c'est également là que se trouvent les accès à l'extérieur de la cité. Au-dessus, nous avons donc le quartier du progrès, et donc celui où se trouve, où est caché le laboratoire. C'est également là que se trouvent les zones commerciales de très mauvaise qualité. C'est également ici que nous trouvons une recrudescence de. Comment dire De crimes, de. J'ai perdu le mot. Crimes et délits. De délits, c'est là-bas que nous trouvons. Des trafics, des prostituées, c'est là-bas que nous présumons que la drogue est vendue, voilà. Juste au-dessus, nous avons le quartier de la fraternité. Rien de particulier à noter sur celui-ci, c'est un quartier principalement résidentiel, éventuellement un petit peu commerçant, mais guère plus. Vous avez des questions jusqu'ici ou est-ce que je continue de monter ? Non, mais jusqu'à là, pas trop de surprises. Pas trop de surprises, hein, c'est... Je bois vos paroles, Elisabeth. Vous m'envoyez ravi. Ouais, parce que j'ai fini la coupette, du coup. Du coup, okay. Que ça, quoi. Au-dessus du quartier de la fraternité, nous avons plusieurs quartiers que je ne vais pas me gêner d'afficher, mais le quartier de l'égalité, le quartier des mirages, le quartier des tulipes et le quartier des libertés, qui sont
des quartiers pour les citoyens, résidentiels, commerciaux, très classiques. Évidemment, plus nous sommes hauts, plus les logements sont grands, spacieux, etc. Évidemment, très loin de ce que le quartier des Étoiles est, mais voilà. Au-dessus du quartier des Libertés, nous avons le quartier Fleury qui tient son nom aux nombreux jardins publics qu'on y trouve. Voilà, je n'ai pas grand-chose de particulier à préciser. Il y a quelques habitations, mais c'est surtout des jardins publics à cet étage-là. Encore au-dessus, nous avons le quartier des Miracles, dans lequel nous trouvons toutes les zones commerciales qui nous intéressent, qui vont nous proposer des produits de qualité, de luxe, osons le dire. Voilà, c'est comme le quartier des Étoiles, mais en un petit peu moins chic. Et surtout, on y trouve des commerces. Au-dessus de ça, nous avons donc le quartier des Étoiles, qui est donc le quartier dans lequel nous vivons, où la villa de tous les platines se trouve. C'est un quartier uniquement résidentiel, c'est pour ça que, notamment pour faire les courses, il faut descendre au quartier des Miracles. Et enfin, au-dessus, nous avons l'aiguille, le siège social de la Kercorp. Est-ce que vous avez des questions ? Non, non, ce petit rafraîchissement, enfin je parle pas du verre, mais de la mémoire, hein, c'est sympa. Pas très sympa, j'y vois un petit peu plus clair, ma chère Elisabeth. Très bien. Est-ce que vous avez des questions de votre côté concernant la ville, concernant la... Vous avez l'air un peu tous de trouver ça un petit peu, pas forcément très sécure, hein, que j'aille donc dans le quartier des Progrès, parce que ça se passe moins bien que... Enfin, j'avais quand même le souvenir que c'était l'âge que j'avais. Après, je me rendais peut-être pas compte aussi, hein, mais c'était peut-être pas si dangereux que ça, si. Disons que vous n'y descendrez évidemment pas avec la limousine. Et que je vous conseillerais de vous faire discret. Donc, ça se passe pas super, quoi. Disons que le laboratoire est en partie dissimulé dans la zone commerciale que je vous ai décrit plus tôt, composée de prostituées, de drogues et autres trafics. Mais d'ailleurs, vous me faites penser, pourquoi spécialement la Kercorp a décidé de cacher ça dans le quartier du Progrès? Entre autres, parce que c'est proche de l'extérieur, si nous avons besoin de faire venir des éléments extérieurs, un camion de livraison dans les quartiers hauts se ferait très vite remarquer. Et d'un autre côté, c'est là où nous sommes le plus près des gens qui peuvent nous aider à obtenir des choses que nous ne sommes pas censés avoir, typiquement l'axi que vous devez vous procurer. D'accord. D'accord. Non, mais ça paraît assez legit. Et au-delà de ça, ça nous permet d'avoir une certaine discrétion. Bien sûr. Je me dis qu'après, sans aller forcément à faire... Bon, comme l'aiguille, j'ai envie de vous dire, pas obligé non plus de mettre le bâtiment avec l'architecture ou autre, mais bon. Je vous précise quelque chose. Parce que... c'est votre père qui a évidemment fait construire le laboratoire... Et qui a géré son déguisement, etc. Vous ne vous étonnerez pas quand vous arriverez, mais dites-vous que ça reflète bien l'homme qui était votre père. D'accord. Vous attisez ma curiosité, Elisabeth. Avez-vous besoin d'autre chose, d'autres renseignements, d'autres informations, ou souhaitez-vous vaquer à vos occupations et peut-être aller visiter le laboratoire? Eh ben, je pense qu'on va faire ça, ma chère Elisabeth. Évidemment, je ne vous accompagnerai pas. Et pour des raisons évidentes, je vous conseille de rentrer chez vous, vous changer et descendre par les ascenseurs et de marcher jusque dans le quartier des Progrès. L'endroit que vous cherchez, ou du moins la porte d'entrée du laboratoire, cherchez le noctambule. Petite question quand même, Elisabeth. Oui. Vous me dites que le quartier du Progrès, c'est pas sécure. Ils ont pas l'air de beaucoup aimer forcément les gens qui viennent. Plutôt les platines, hein, du quartier des Étoiles et compagnie. On n'a pas l'air d'avoir la top réputation.
Bon, ça, j'ai cru le comprendre. Hein, voilà. Seulement, le problème, c'est que, vous voyez, changer juste de costume, est-ce que dans la mesure où, depuis que je suis revenu, les médias me cassent un petit peu les, voilà, et me mettent surtout ma tête à la télé, est-ce que vous n'avez pas peur que juste le costume, en guise de... C'est léger, quoi. Ne vous inquiétez pas. Il me semble que vous avez normalement reçu tout le nécessaire chez vous quand vous arriverez. Il me semble que monsieur de la Rulière a fait envoyer chez vous le nécessaire pour descendre dans les quartiers. Ah. Eh bah, direction la maison. Écoutez, Elisabeth, merci beaucoup pour ce... Je lui rends le gobelet, du coup, la coupette, là. Et puis, le gobelet. Écoutez, ce cocktail était fameux. Hein, vous ferez un bisou à Benjamin. Et puis, écoutez, moi, je m'en vais de ce pas faire avancer la cause. Hein, donc, bon. Parfait. Dois-je vous envoyer un chauffeur ou bien... Mais Norbert, vous inquiétez pas. Norbert. Entendu. Je vous laisse, donc. Elle reste assise dans son fauteuil et te laisse quitter le petit salon. Sorti de la villa, Norbert t'attend dans la limousine. Où souhaitez-vous aller, monsieur ? Eh ben, à la maison, Norbert. Direction la maison. Très bien. On m'a dit qu'un collier à votre nom était arrivé sur place... Dois-je le faire examiner ou souhaitez-vous l'ouvrir ? Écoutez, dois-je le faire examiner ? Ça vous prend combien de temps, ça, Norbert ? Parce que moi, je sais à peu près ce que c'est. Ah, bah, l'examen est inutile, alors non, c'est par sécurité lorsque vous recevez des choses. Si vous ne savez pas ce que c'est, nous préférons les examiner pour nous assurer qu'il n'y a pas de danger. Mais si vous savez ce que ça vient, c'est... Ça vient de qui, Norbert ? Vous avez le nom ? Ça a été envoyé par la CarpCorp. Ah, mais c'est bon, moi, je sais ce que c'est, Norbert, je sais ce que c'est. Entendu. Rentrons donc. Tu fais le trajet jusqu'à chez toi, tu rentres, effectivement, t'as posé dans... Non pas ton bureau, parce que t'as pas eu le temps de te l'approprier, mais le bureau de ton père, de ton défunt père. Tu trouves, effectivement, une petite boîte sur le bureau qui a été posée. Il y a ton nom écrit dessus, le logo de la CarCorp. Elle est pas grosse, hein, elle fait... Elle fait cette taille-là. Tu vois, donc c'est pas gros. Qu'est-ce que tu fais ? Je l'ouvre. Très bien. Je vais te poser une question parce que j'ai oublié de te la poser à la création de personnage. Est-ce que tu es implanté ? Est-ce que je suis implanté ? Oui. Est-ce que tu es équipé... Bien implanté dans mon entourage ? Non. Est-ce que tu es équipé d'un implant de réalité augmentée ? Non. À part notre cher petit bras mécanique, nous n'avons pas de... Okay. Non, on a des boss parce que alors après vous me direz peut-être que là mieux que ça, mais ça bon c'est vintage, mais ça marche franchement on dirait ce qu'on veut. Bon, mais tu n'es pas implanté. Ah non. Ok. Non, jusque là. Tu ouvres la boîte. Dans la boîte. Ouais, tu vois quelque chose que tu ne comprends pas dans un premier temps. Bah oui, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? En fait, ça ressemble à une prise jack. Genre ça, là, tu vois. Juste une prise jack. Oui. Avec un module un peu comme ça au bout, sauf que, bon, moi, c'est un duplicateur. Mais voilà. Mais en l'occurrence, toi, non. C'est juste une espèce de module avec une prise jack au bout. Sachant que les prises jack, technologiquement, dans ton univers, n'existent quasiment plus. Ah bah non, passe à autre chose, quand même, les gars, hein. Alors, bébé, qu'est-ce que vous foutez ? Qu'est-ce que je foute avec un iPod, moi ? Alors, oh ! Mais les gars ! Qu'est-ce que je foute avec ça ? J'appelle Norbert. Monsieur ? Oui, alors Norbert, je suis peut-être con, attention. D'ailleurs, je pense que il doit y avoir autre chose, parce que sinon j'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? C'est une extension d'implant, monsieur. Eh ben génial. Vous n'êtes pas implanté. Mais du coup... parce que au niveau étendre des choses déjà existantes, c'est pas mal. Mais alors comment qu'on fait quand on en a pas ? Parce que bon. Je ne saurais gré que de vous conseiller de contacter la CarCorp et de les informer que vous n'êtes pas implanté. Il me semble que c'est un
prérequis à l'accession au conseil d'administration et ça m'étonne qu'il n'ait pas vérifié au préalable. Ceci étant, je dois vous prévenir. Il se tourne et te montre sa nuque. Tu vois dans sa nuque un trou pour prise jack. Apparent, au niveau de la peau. D'accord. Et en fait, il a un air un peu dur, un peu sec. Il te fait, ceci étant, je dois vous prévenir, l'installation est quelque peu douloureuse. D'accord. Écoutez, non, mais on va y aller. Ouais. Merci Norbert pour toutes ces infos. Pour y aller. Merci. Entendu. Norbert quitte ton bureau. J'en profite pour vérifier tranquillement s'il n'y a pas moyen de cacher un petit peu mon cou et me dire que bon, voilà, c'est vrai que ça peut être mal vu le fait qu'il n'y ait pas d'implant et qu'il me fasse chier ces cons-là. Du coup, on va y aller sans. On va y aller sans. C'est très bien. Très bien. Alors, j'ai pas du tout écouté parce que je suis en train de faire autre chose. Est-ce que tu peux répéter? je me dis que je vais y aller sans. Du coup, tu vas descendre au quartier du Progrès. Ah, bah à l'ancienne. Mais du coup, oui, je me dis que au niveau de mon col et tout ça, je fais bien gaffe quand même voilà, bon, je montre pas trop. Parce que je comprends avec Norbert, du coup, que bon, ça a l'air de pas être très bien vu. Que tout le monde est tout, mais du coup voilà c'est la merde non mais ça va bien se passer, on va y aller à l'ancienne, en même temps il n'y a pas de raison que ça se passe mal, voilà, hein. Bon, je me dis ça à moi-même du coup parce que je suis pas en train de parler avec un du coup tu t'équipes pour descendre au quartier du Progrès et tu y files, c'est ça le plan? Tout à fait. Ok. Tu descends. Enfin, tu t'équipes. Tu quittes la maison. Tu es habillé. Alors, je prends quand même mes lunettes. Hein. Ouais. De toute façon, tu prends tout le reste de ton équipement? Bien sûr. Okay. Bien sûr. Mais je prends quand même les lunettes. Je me dis, ça fera un petit déguisement. Ok. J'ai vu ça dans un vieux film. Regardez. Clark Kent. Superman. Clark Kent. Superman, c'est bluffant. C'était dans les vieux DVD du père. Hein, Pas de soucis. Tu descends. Hop. Alors non, l'appart on l'a déjà vu, c'est parce que je vais afficher. Pourquoi ça ne loot pas? Alors que je ressasse dans mes mémoires tous les lieux que j'ai déjà... tu es en train de descendre. Hop. Et là, normalement, ça marche. Voilà. Tu es en train de descendre dans l'ascenseur. En fait, le trajet était très simple. Tu es sorti de chez toi, tu as marché jusqu'à l'ascenseur et tu as pris l'ascenseur pour descendre 8 étages en dessous, tout simplement. Évidemment, l'ascenseur s'est arrêté régulièrement. Il y a des gens qui sont montés, des gens qui sont descendus. Tu as senti quelques regards peser un peu sur toi. Pas tant que ça. Tu as continué ta descente. Tu es arrivé en bas. Il est du coup quelque chose comme, allez, disons 14h, en considérant que tu as un peu traîné ta patte sur la journée. Tu arrives dans un quartier illustré un peu. Salle très industrielle, les gens sont clairement beaucoup moins habillés que toi, même si t'as dû prendre les habits de les plus pourraves que tu aies trouvé. Une odeur traîne dans l'air, une odeur de pétrole, une odeur de gaz, une odeur de métal, une odeur d'alcool, une odeur de fumée de cigarette. Du son, beaucoup des industries, beaucoup des musiques, beaucoup de... Une ambiance très différente du calme quartier des étoiles. On t'a conseillé de rejoindre le Noctambule. Arrivé en dehors de l'ascenseur. Qu'est-ce que tu fais?
Eh ben, je fais ce qu'on m'a dit. Moi, j'essaye de prendre. C'est le noctambule. Noctambule, moi, je ne sais pas ce que c'est. Mais est-ce que c'est marqué quelque part déjà? Est-ce que en sortant de l'ascenseur, je vois quelque chose qui m'indique? Fais-moi s'il te plaît un test de perception. Si tu veux t'économiser la commande, ça va être la même que la première que tu as lancée. Donc tu peux aller la copier-coller, ça marchera aussi. Alors ben non, mais les lunettes sont dégueulasses aussi, qu'est-ce que je vous dise, moi. Alors, bon. Eh ouais, ben c'est... Alors, bon. Tu te repères très mal. En fait, ce qui se passe, c'est que tu penses avoir une piste. Tu avances un peu, du coup, en suivant cette piste. Enfin, t'as cru voir un panneau avec écrit le noctambule, machin, tu avances. Ça t'amène dans des ruelles un peu petites, un peu étroites. Sur le chemin, il y a quelques dames qui te font « Mon chou, est-ce que ça t'intéresse, une petite virée ?» Plus loin, il y a des gens qui te proposent des paris sur des combats, des... Plein de trucs que tu te dépêches d'esquiver, autant dire que tu vas très vite faire tâche dans l'environnement. Jusqu'au moment où tu arrives dans un endroit où tu ne reconnais rien, où tu n'as plus aucun repère et où il n'y a plus personne. C'est la merde. Ah, allô? Oui, je suis là. Il y a plus de musique, c'est normal. C'est la musique, d'accord. Il y a plus de musique, c'est normal. Bah justement, je me sens perdu. Alors, allô? Je suis où? Excusez-moi. Voilà, merci. Du coup, c'est-à-dire, je suis paumé. Je suis où exactement? Tu es perdu quelque part dans le quartier du progrès. Et il y a personne. Là où tu es à l'instant T, il n'y a personne. Tu entends les rumeurs d'un boum boum de bar un peu plus loin, tu entends éventuellement des gens dans les rues parallèles, mais présentement dans l'impasse où tu es, il n'y a personne. On peut pas se mettre un petit GPS par hasard là? Est-ce que j'ai ça moi sur mon téléphone là? Je sors mon téléphone. Ok, ça me va. Et du coup tu cherches qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Qu'est-ce que tu fais avec Maps? Ah bah alors je ouais putain mais je sais pas où c'est cette merde en plus. Je vais pas taper laboratoire Kerkorp, je suis pas, ça existe pas. Qu'est-ce qu'on m'a dit déjà? On m'a dit le noctambule. Hop là, je cherche noctambule. Tu obtiens un résultat pas si loin de ça de toi, il est à 500 mètres. C'est un bar noté 1 sur 5 sur Google Maps. Ah, le noctambule est en fait un bar. D'accord. Ah non, je croyais que c'était le... je t'ai promis. Un moyen de transport, oui, comme le noctilien, un truc comme ça. Non, c'est pas du tout. Donc, c'est un bar, c'est génial. On n'arrête pas le progrès. Bah, t'as vu le quartier en plus, pas mal. J'y vais. Du coup, je m'y dirige à pied en regardant un petit peu mon téléphone. Donc quoi, je regarde à peu près où c'est et je range mon téléphone dans ma poche de façon à pas me faire alpaguer par un... Ok. Tu suis les indications. Pendant que tu marches, tu entends ton com faire... Allô ? C'est un message. Audio en l'occurrence, mais c'est un message. C'est Elisabeth qui... Excusez-moi de vous déranger, Monsieur Bourbon, mais de toute façon, je présume que même si vous êtes arrivé sur place, vous n'êtes pas allé plus loin. Il vous faudra commander... Il vous faudra commander un Sex on the Beach pour accéder au laboratoire. D'accord. Je commence à comprendre le plan... Ok, merci. Bah alors du coup, je suis très content d'avoir ce message. Je commence à comprendre un petit peu le plan. Là, hein. Voilà, c'est pas mal, d'accord. Okay. Je file du coup au bar. Est-ce que je suis encore loin là? Je suis à combien du bar? Non, tu es juste devant toi, un bar. Dans une rue très étroite, quelques personnes fument devant. Vu le nuage de fumée qui en sort, tu devines qu'il y a beaucoup de gens qui fument dedans.
Tu entends une musique dynamique, jeune, à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais ? Ben écoutez, j'essaie de me faire discret, je rentre là-dedans hein, directement et je vais voir le serveur si c'est le bar directement. Ça ressemble à quoi déjà là-dedans ? Tu entres dans le bar, hop, je vais te le dessiner, ce sera plus simple. Tout d'abord, tu ouvres, alors déjà c'est pas des portes classiques, c'est vraiment des portes à l'ancienne, façon western, et dès que tu l'ouvres, tu entends cette musique. Voilà. Tu entres dans des portes façon western qui vont être ici. Je me sens dans le move et je tape la démarche un petit peu. Ok. Tu arrives dans une pièce qui a cette gueule là. Ici, tu as d'autres portes battantes qui mènent vers une ruelle un peu sombre. Je vais pas faire de la même couleur. Ici, tu as un comptoir qui fait à peu près cette forme là. Et tu remarques que pour s'asseoir au comptoir, ce sont des barils. Pas des fauteuils, c'est des vieux barils en métal. D'accord. Ici, non, toujours pas la bonne couleur. Ici, tu as des tables. Hop. Ici, tu as une porte. Tu ignores où elle mène. Je pense que la musique est trop forte pour le chat. Je vais la baisser un peu. Moi, je passe un bon moment. Hop. Donc voilà. Tu as une autre table ici. Et ici, tu as une table ronde. Voilà. Il y a du monde assis aux tables, il y a du monde assis au baril, enfin voilà. C'est une bonne ambiance, ça se met bien. Qu'est-ce que tu fais du coup ? Alors oui, du coup, je vais te représenter par ce pion rouge. Là, ça c'est toi. Oui. Et du coup, je vais mettre d'autres pions pour représenter les autres gens présents. Du coup, dis-moi ce que tu fais en attendant. Ah, alors moi, je vais voir monsieur le barman ou madame la barman, je sais pas qui est là. C'est qui sert de verre. Elle est très jeune, elle est rousse. Eh ben, je me dirige vers la barmaid. Ok. J'essaie de rester discret, hein. Je rentre pas dedans en mode. Non, je reste discret, je vais direct voir la barmaid. Tu t'installes où ? Dis-moi. Ah, bah, directement devant elle au bar. Genre ici ? Ouais, exactement. Ok. C'est cette place que je voyais en plus. Tu t'installes sur le comptoir, tu te poses, tu prends le temps d'analyser, tu parles directement, qu'est-ce que tu fais ? Je fais signe à la dame, à la demoiselle. Qui apparemment est jeune, c'est ça ? Oui, elle est. Bon, elle est jeune, elle a. Ouais, elle a ton âge ou légèrement moins. D'accord, ok. J'ai compris, jeune, dans le sens. Je fais signe à la barmaid. Elle te regarde avec un sourire charmeur. Tu peux deviner quelle est son activité secondaire pour arrondir ses fins de mois ? Ah ! Mais je te laisse le deviner. Elle te regarde et elle te fait « Salut toi, t'es nouveau ?» T'as déjà vu, non ? Absolument pas, ou du moins je ne crois pas. Ouais. Rappelez-moi, ouais, il me semblait peut-être, aussi. Après tout, je vois passer beaucoup de monde. Qu'est-ce que vous me conseillez Qu'est-ce que vous avez au bar là que vous me conseillez là ? Ça dépend de ce que tu cherches. Si tu veux boire, on a du whisky, on a de la tequila, on a des trucs un peu plus légers. Si t'es pas trop une fiotte, on a vraiment des alcools forts. Après, si tu veux t'amuser, on a le Sex on the Beach. Si tu veux t'amuser, on a le carrousel d'amour, enfin, tu choisis, tu fais ce que tu veux. Ah, si, je vous demande un petit Sex on the Beach. Bien entendu. Suivez-moi. La femme sort, elle a pris une démarche clairement séductrice au sensuel. Elle passe derrière toi, elle te caresse l'épaule et te fait « Viens avec moi, mon chou. » Mais j'arrive, madame. Je vais faire un test sans dire ce que c'est. Et on va juste regarder ce qui s'affiche.
peut-être deviner ce que c'est, moi. Ok. Donc j'ai fait réussite plus 1. J'ai du retard sur le... Tu observes... en fait, quand tu sors, à ce niveau-là, il y a le tableau des consommations qui précise qu'est-ce que c'est machin. En fait, tu vois en face de Sex on the Beach une merveilleuse image d'un verre à boire de forme très phallique, rempli d'un liquide coloré, enfin un cocktail visiblement. Tu regardes le prix, tu constates que ça coûte quand même 150 euros. Et tu remarques que la description du produit, c'est s'amuser, mais pas toucher. Je peux re-regarder le SMS de Elisabeth Carter. Alors c'était audio, ça risque d'être compliqué. C'était d'accord. Donc on est d'accord que c'était bien Sex on the Beach qui m'a dit de prendre. Moi je ne dirais rien. Merde. On m'a dit Sex on the Beach l'autre. Qu'est-ce que je suis en train de foutre là? Bon, tu suis la madame qui est en train de... Je vais voir, non mais ça se trouve, c'est après que ça se... Bon... La madame te sort, t'amène loin du... Enfin, sort dans le bar. Là, tu es dans une ruelle. Hop, que je vais dessiner. Tu es dans une ruelle très étroite entre deux bâtiments. La jeune femme te remonte. Elle ne vérifie à peine si tu suis. Mais tu remarques qu'elle prend un malin plaisir à agiter son derrière. D'ailleurs, non, c'est dans l'autre sens, parce qu'elle est jaune. Hop, qu'elle, enfin voilà, elle se fait sensuelle, elle se fait intéressante, disons-nous. Et arrivée ici, au coin du bâtiment, elle te dit « Assale-toi ». Tu remarques que là, juste ici, il y a un petit recoin dans le mur. Il y a des bouches d'évacuation d'air, enfin voilà, juste un petit recoin à l'ombre où personne ne pourra vous voir. Mais il n'y a pas de porte ou quoi que ce soit là-dedans, juste rien un recoin du tout. Il y a juste un petit recoin. Ça sent le traquenard. J'y crois jusqu'au bout et je suis, hein, la cadence. Donc tu te poses... comment tu mets? Comment tu te mets? Je demande à la madame... Il y en a beaucoup qui le commandent, le Sex on the Beach, ou pas? Des gens de ta carrure? Pas mal, oui. D'accord. Je veux dire, vous servez toujours le même cocktail. Non, ça dépend. C'est à la tête du client. Est-ce que ma tête vous dit quelque chose? Absolument pas. On ne s'est jamais vu. Ouais. Vous êtes sûr que vous m'avez pas déjà vu? Bon, installez-vous. On va pas perdre du temps. Mettez-vous je m'installe un peu sur le qui-vive. Hein, Mettez-vous deux contre le mur et laissez-vous faire. Je me mets deux contre le mur et je garde le... Bon, bah, on parle métallique, hein, forcément. Pas forcément le long du corps, mais prêt quand même à mettre une patate la... franchement, ça va partir. Mais attention, je reste courtois. Hein, je reste courtois. La jeune femme s'accroupit devant toi, vient poser sa main à côté de ta hanche, mais à côté, elle ne la touche pas, et tu entends un clic derrière toi. À ce moment-là, le pan de mur s'ouvre légèrement, et elle te fait « Vas-y, beau gosse ». Elle me fait quoi ? Vas-y, beau gosse. Vas-y, beau gosse. Ah, non, j'avais compris. Vas-y, bolos. Vas-y, bolos. Non, vas-y, beau gosse. Vas-y, bolos. Vas-y, beau gosse, d'accord. Non, mais on comprend mieux tout de suite parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'il lui prend d'un coup, là. D'accord. Eh ben, c'est parfait. Ben, merci, madame. Merci, madame. C'était sympa. Du coup, qu'est-ce que j'y découvre? Parce que du coup, ça a retourné. J'ai découvert autre chose là. Nouveau paysage, la porte, la fausse porte ici, du coup, derrière toi, c'est ouverte et a révélé un couloir totalement différent. Tu es arrivé dans un endroit très métallique, très blanc, très propre, du même genre qu'on pourrait s'attendre d'être un laboratoire.
D'accord, donc c'est très blanc, c'est très laboratoire. D'accord. Voilà. Il n'y a personne dans ce couloir, le couloir est un peu long. Tu devines que de toute façon, effectivement, il va s'enfoncer un petit peu avant d'arriver quelque part. Donc voilà. Qu'est-ce que tu fais? J'avance, hein. Là, on n'est pas venu là pour enfiler des perles. Hein. Sauf si quelqu'un propose, il y a des perles sous la main, mais je veux dire, bon, pas le but premier, quoi. Tu avances le long de ce couloir. Au bout d'un moment, tu arrives dans un hall, ou du moins ce qui pourrait ressembler à un hall d'accueil, genre hall d'accueil d'hôpital. Et derrière un bureau circulaire, il y a une femme qui attend. En train de travailler sur un ordinateur, enfin un ordinateur, un deck, mais voilà. Eh ben, je me dirige vers la madame. Qu'est-ce que tu lui dis? Bonjour. J'attends quelque chose de... Bonjour monsieur, comment allez-vous monsieur Bourbon? Ah, donc on m'a reconnu, d'accord, c'est ce que je voulais savoir. Écoutez, je viens du coup pour prendre mes fonctions, je viens un petit peu visiter les locaux. Je vous avoue que j'étais un petit peu surpris par l'entrée, mais en même temps, bon, c'est... vous passez aussi l'entrée comme ça, vous? Non. Enfin, oui et non. Nous, on sait ouvrir la porte. Ah d'accord, il y a moyen de savoir ouvrir la porte ou à chaque fois, il faut se taper un stress comme pas permis, là? Vous avez pas assez regardé? Normalement... Comment ça, j'ai pas assez regardé? J'ai envie de dire que normalement vous avez vu ce qu'elle a fait pour ouvrir la porte. Ah! Ah bah oui. Bah merci bien. Non mais c'est bon, comme ça on le sait. Non, c'est vrai que bon, après c'est... quelque chose à savoir? Vous m'avez préparé un petit quelque chose? Quelqu'un me fait la visite? Ou ça se passe comment? A priori, non, parce que nous n'étions pas... Enfin, nous avons été prévenus de votre visite il y a une heure ou deux, donc... Vous ne feriez pas la visite. C'est-à-dire que j'ai d'autres choses à faire. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est juste d'arpenter les bureaux. Après, tout ce local est à vous. La seule chose, voilà, je vous la confie. Elle te tend une carte magnétique. D'accord. Et dessus, il y a écrit ton nom, il y a écrit le logo Carcorp, il y a machin. Tu devines très vite que c'est un badge d'accès, que je te laisse ranger dans ton inventaire. D'accord. Est-ce que je peux rappeler à madame quand même que bon, elle peut décider de s'il y a quelque chose à foutre ou pas, c'est quand même moi le patron. Est-ce qu'il y a moyen quand même que je lui demande, est-ce que quelqu'un peut quand même faire la visite? Parce que sinon, je vais crapahuter dans les couloirs de partout, je vais les pièces au pif. Et je me dis, ça c'est ça, bon, je veux bien, mais au bout d'un moment... Je vais voir si nous n'avons pas quelqu'un qui puisse... Sinon, mettre ce que vous avez à faire en pause. Voilà. Non, je crains que ce ne soit pas possible, monsieur. En tout cas, la responsabilité... Elle appuie sur son oreille, et à partir de là, tu comprends très vite que tout ce qui est technologique dans ce laboratoire... va t'étonner. D'accord. Elle appuie sur son oreille, en sort une espèce d'hologramme. Tu la vois faire tout, 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 comme si elle avait l'habitude. Cet hologramme se range, puis un autre hologramme en forme de micro vient apparaître devant sa bouche. Et tu l'entends parler comme si elle parlait avec quelqu'un d'autre du laboratoire en mode... Oui, Monsieur Bourbon est arrivé, est-ce que vous pourriez vous en occuper? Parce que moi, je sais pas que ça foutre. Voilà, dans l'idée, c'est à peu près ça. Est-ce qu'elle a dit vraiment pour de vrai? Parce que j'ai pas que ça à foutre, parce que sinon, on peut tenter les jets de quelque chose. Elle l'a dit en essayant de pas se faire entendre. Donc, je vais faire un test de discrétion du PNJ. D'accord. Oh non, mais après, faut se familiariser avec ses employés. Hein. Ah. Alors j'ai pas les résultats du bot, attends je vais lancer le... Ah, moi j'ai les résultats. Ok, tu l'as clairement entendu dire j'ai pas que ça à foutre. D'accord. Donc elle a fini la conversation ou pas avec le... Tu peux attendre qu'elle l'ait fini. J'attends qu'elle ait fini. Elle a fini.
Excusez-moi, mademoiselle, sans vous importuner, est-ce que je peux avoir votre nom et prénom, s'il vous plaît ? Bien sûr. Merci. Sophie Antunes. Sophie, alors Sophie, merci, c'est, alors, Antunes. C'est pas formidable. Eh bien, écoutez, enchanté, Sophie. Enchanté. On se revoit très prochainement, hein, pour éventuellement une petite réunion ou autre. En attendant, moi, je voilà, à visiter. Voilà. Non, mais pour prendre ce que vous avez à faire, hein, Sophie, pas de soucis. Parfait. Quelques minutes plus tard, un homme arrive. C'est un agent de sécurité. C'est rien d'autre qu'un agent de sécurité. Voilà. Il est fermé. Il va te faire faire le tour du propriétaire sans être capable de t'expliquer quoi que ce soit. Mais elle t'a fourni quelqu'un pour que tu te balades pas tout seul dans les tiroirs. Eh ben merci Sophie. Alors on a dit Sophie en deux, hein. Juste histoire de... Bien sûr du prénom, hein. Sophie. Merci Sophie en tout cas. Merci. Merci Sophie. Merci. Merci. Bah écoutez, comment il s'appelle le monsieur ? Je peux lui demander son prénom ? Tu peux lui demander son prénom. Je vous appelais comment ? Tony de plus, monsieur. De plus que quoi ? C'est quoi le... D-E-P-L-U-S. De plus. D'accord. Non, excusez-moi. Je... C'est mon nom de famille, monsieur. Eh ben, c'est un très joli nom de famille. Mais je vous dise. Ah, voilà. Ah non, bah, attention. Alors, bah, allez, je vous suis. Je vous suis. Il te fait avancer. Il badge lui-même les portes. La première salle dans laquelle il te fait entrer est une salle dans laquelle on expérimente autour des hologrammes, des trucs tangibles. Enfin, voilà. Tu vois, en fait... De toute façon, de façon générale, toutes les salles que tu vas traverser sont des salles où on va travailler, où on va expérimenter des nouvelles technologies. Tu vas voir des trucs, des prototypes militaires, tu vas voir des prototypes holographiques, tu vas voir plein de trucs comme ça, de déplacement, de machin, machin. Et arrivé à un moment donné, il arrive devant une porte que son badge n'ouvre pas. Ah. C'est littéralement Access Denied. Bon, bah j'imagine que du coup, le mien sert à ça. Tu passes le tien. Code de sécurité, s'il vous plaît. Je regarde. J'ai déjà oublié son nom, est-ce qu'on l'a ? Comme. Grégoire, là. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors. Vous n'avez pas le code, monsieur ? Qu'est-ce que vous. Peut-être que. Alors. C'est hein ? Qu'est-ce que quoi vous mêlez déjà ? Alors, ben on verra plus tard ça. Alors, ben les autres là, non, hey, oh, on va faire les autres là déjà de salle là. Je verrai les autres après tout seul là. Comme vous le souhaitez, monsieur. Vous continuez à faire le tour du coup du laboratoire, entre autres scientifiques que tu croises, entre autres cobayes, entre autres machins. Voilà, le tour du laboratoire est fait, t'as appris beaucoup de choses sur les technologies qui sont développées, que ce soit du coup des technologies d'hologrammes, des technologies industrielles, des technologies de pesticides, des technologies d'énergie. Enfin, tu apprends beaucoup de choses sur tout ce qu'on cherche à faire dans cette cité technologiquement à l'avenir. Et du coup, la visite se termine dans le hall, où il y a encore Sophie, où il y a toujours personne d'autre, et où du coup, le bon Tony t'a ramené. D'accord. Génial. Dites-moi, Sophie, ils ont changé le code là, non ? La porte du bureau ? Oui ? Non ? Alors, non, mais je pense que c'est toujours celui de votre père. Souhaitez-vous que je vous en mette un autre ? Oui, je veux bien, parce que là, du coup, il marche plus là. Ok. Elle te tend. Enfin, elle te tend. Elle t'apporte, en fait, comment dire, à cette époque-là, les hologrammes sont capables de réagir à tes mouvements, tes machins, c'est-à-dire tu fais ça, vut, l'hologramme devant toi, il va grandir. Et en gros, littéralement, elle te fait ça, et ça déplie un hologramme devant toi, qui t'affiche en fait un pavé numérique sur lequel tu vas pouvoir taper le code de ton bureau. D'accord. Oui, ok. Donc, et donc tu vas pouvoir taper le code de ton bureau. D'accord. Qui est code à 4 chiffres. Frangipane.
code à 4 chiffres. Putain, oh, putain, foutez, comment on fait chiffres, merde, Alors, 0. 0. 0. Ok. 2. Ça me va. Attends, j'ai foiré. J'ai écrit comme un pied. Je vais gommer si je retrouve ma gomme sur le foutoir qu'est mon bordel. Non, je vais hésiter avec 1, 2, 3, 4, mais bon, c'est un coup plus s'en rappeler. Bah, 1, 2, 3, 4, oui, puis les gens sont trop susceptibles de le trouver. Oh, j'avoue, j'avoue que... Est-ce que je peux changer le code, s'il vous plaît? J'ai pas fait gaffe. Bah vas-y, je l'ai pas encore gommé, donc... 0, 0, 1, 4. D'ailleurs, je trouve pas la gomme, donc c'est un problème, mais c'est pas grave. 0, 0, 1, 4. Non, non, parce que c'est... On se respecte. On se rappelle d'un coup. Ouais. Ok, très bien. Donc tu tapes le code, évidemment, à l'abri des regards. Voilà. Suite à ça, je présume que tu vas retourner dans ton bureau pour tamper le code et entrer. Tout à fait. Tu entres dans ton bureau, tu retapes le code, tu entres dans ton bureau. La salle s'allume progressivement quand tu rentres. Plein de lumière. Un bureau très classe, très élégant. Un peu à l'image de ton appartement. Enfin, du coup, de ta chambre. Un ordinateur, un bureau, pas grand-chose de plus. Des bibliothèques, enfin, rien de spécifique, quoi. Rien de majeur. D'accord, d'accord. Ouais, je peux... Vraiment rien de plus, quoi. Genre, on s'emmerde, stricto sensu, quoi. C'est... À part le PC, et rien qui attire l'œil, ou truc intéressant. Non. Bah écoutez, je vais sur le PC. Sur le PC, voir ce que ça dit. Tu te connectes au PC, évidemment. L'ordinateur te demande le badge, mais tu badges. Et tu accèdes à énormément de dossiers. Tu as accès à toute la base de données du laboratoire. Jusqu'au moindre fichier texte de rendu d'analyse de mes couilles. C'est pas les miennes. Ah, donc ils ont mais... des... Ah non, d'accord. Mais voilà, t'as vraiment... Si tu devais les énumérer, au bas mot, plus d'un million de fichiers. D'accord. Si tu cherches quelque chose dedans, il va falloir me dire quoi, il va falloir préciser ta recherche. Mais oui. Bah écoutez, est-ce que... Est-ce qu'on peut tester? Moi, est-ce que je peux taper un truc? Vas-y. Je tape alors. Vous êtes alors S O P H I E plus loin A N T U N E S. Juste pour voir. Ça rentre pas. On arrive sur plusieurs documents. Tous font évidemment référence à la réceptionniste. Qui n'est pas que réceptionniste, elle est également scientifique, mais en fait, il n'y a pas vraiment de réceptionniste, c'est juste qu'il se relaie au poste de réceptionniste, et du coup, tu tombes au-delà de le dossier de candidature qu'elle a fourni pour entrer, sa fiche de renseignement personnel, etc., etc. Tu rentres sur les résultats des expériences qu'elle a menées, sur ce sur quoi elle travaille, etc., etc. Est-ce qu'on a des trucs perso sur Sophie? Oui, tu as toute sa... Bah, de toute façon, tu as toute sa fiche personnelle, qui elle est, c'est où marqué, elle habite, quelle est sa famille, tout ça. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir qu'est-ce que ça dit là sur le perso, ouais, le perso. Qu'est-ce que tu veux savoir? Oh, bah, je regarde un peu. S'il y a pas des petites notes au niveau des notes personnelles. Est-ce que quelqu'un a mis des petites notes sur son comportement? Tu trouves, mais tu vas le remarquer sur plein de documents que l'ordinateur sur lequel tu es permet de mettre des notes. Sur tous les documents, genre vraiment des espèces de post-it sur tous les documents qui vraisemblablement ont tous été rédigés par ton père, étant donné qu'il y en okay. Il y a très peu de post-it vis-à-vis de l'échelle des documents. Voilà, c'est plus ton père a regardé un rendement de machin. Et sur du coup le dossier de Sophie Antunes, t'as juste une marque avec écrit Boboul.
Eh ben génial. C'est vrai que le paternel, il a plutôt pas mal bossé. Génial, génial. Est-ce que je peux créer une nouvelle note ? Tout à fait. Alors, hop. Donc, nouvelle note. Hop, et je tape au clavier. C-O-N-N-A-S-S-E. Deux points, parenthèse, hein, je fais un petit smiley, bien sûr. Et je me mets à chercher quelque chose d'utile, du coup. Parce que, évidemment, il y a autre chose à foutre. Alors, qu'est-ce que tu cherches d'utile ? Du coup, est-ce que je me... Alors, je me demande, est-ce que je vais taper direct le nom de la drogue ? Si, bah, je tape, du coup. Axiom ? Axitinium. Axitinium, Axitinium, je crois. J'ai dit. Axitinium, le nom complet, excuse-moi, parce que c'est Axi pour moi. Ouais, c'est juste l'Axi. C'est moi aussi, mais moi aussi, j'oublie toujours, je crois que c'est Axitinium. C'est Axitinium, voilà, le nom complet. Ouais. Je me dis Axi. Est-ce que c'est ça le chat ? Il se peut que je dise de la merde. Est-ce que je vous ai écrit et dit tout à l'heure Axitinium ? Je crois que c'est ça. Je vais le noter de toute façon. Merde. Je ne sais pas écrire. Axitinium, hein. Axiom, Axitinium, Axitinium. Pour moi, c'est, ouais, c'est ça, Axitinium. Je découvre en même temps, moi. A-X-Y-T-I-N-I-U-M. Bon, ce qui est plus inquiétant, c'est que le MJ a l'air de découvrir aussi. Mais bon, ça, c'est... Non, c'est que pour des questions évidentes de facilité, je dis Axi tout le temps aussi. Non, mais attention, hein, attention. Hein. Axitinium, c'est ça. Très bien. Je tape Axitinium et je vois, j'imagine que ça va ouvrir 10 000 pages. Non. Ah. Ça n'en ouvre qu'une en réalité. Ah. Créé il y a 3 heures. Créé il y a 3 heures par Pierre-André de la Rulière. D'accord. Et en gros, ça résume ouverture du dossier en cours confié à Stanislas Bourbon, étude de l'oxy, et examen des composants, machin, machin. Visiblement, t'es le premier à réagir, entre guillemets, de façon intelligente face à l'oxy, à dire, est-ce qu'on peut pas regarder ce que c'est avant de bourriner dans le tas. D'accord, donc les mecs, d'accord. En même temps, donc, vu comme la ville est tenue, ça devrait étonner personne. Ouais, alors, mais bon, après, réfléchir, ça coûte rien non plus. Bah, sympa, les mecs, hein. sympa. Rien du tout, du coup, dossier ouvert, bon. Non, c'est Axi. Ouais, Axi avec un Y, A-X-Y. T-I-N-I-U-M. D'accord. Est-ce que je peux biper la standardiste là Ouais. Ouais. Nadège ? Pourquoi Oh putain. Camille. Non. Sophie. Ouais, Sophie ! Oui, monsieur. Allô ? Oui. Oui, dites-moi, Sophie ! Allô ? Oui. Est-ce qu'on a reçu éventuellement un colis ou un truc Pas encore, monsieur. D'accord. On sait quand ça arrive ou... Je n'ignore de quoi vous parlez, monsieur. Eh ben, génial. Du coup... Bah, on se rappelle, Sophie. Quoi, je vous rappelle. Quoi, merde. Hop. Alors, est-ce que j'ai un souvenir du fait que quelqu'un m'a donné une durée sur le fait que j'allais recevoir de l'axi? Pour analyser. Pas du tout. On t'a dit que tu allais avoir des contacts, mais pas plus que ça. Donc, génial. Donc, on est comme des cons en attendant. Est-ce que j'ai croisé personne d'autre dans le bâtiment ? Si, t'as croisé plein de scientifiques en train de traffer, voilà. T'as croisé plein de monde. Les scientifiques. Eh ben, je. D'accord. Donc, chou blanc, il n'y a que dalle. Je vais voir les scientifiques, si j'imagine qu'il y a un département d'analyse quand on va montrer, un truc comme ça. Ok. Ou alors je les bip, mais bon, non, je vais les voir quand même, en vrai. Ok. Allô ? Tu quittes ton bureau pour aller voir les scientifiques. Exactement. Quand tu vas te diriger vers la porte, tu entends celle-ci qui se clenche. Et quand tu essaies d'activer la poignée, celle-ci ne s'ouvre pas. Puis tu entends du bruit derrière toi. Une des bibliothèques s'est décalée, laissant un passage ouvert vers un souterrain sur lequel il est écrit « Laboratoire privé, secret défense ». Ah ! Eh ben j'avance. Vers la porte qui s'est ouverte derrière toi ? Ah bah oui, moi je...
La porte s'ouvre, quelqu'un en sort, visiblement quelqu'un sort du laboratoire hyper secret mon cul. C'est un random scientifique comme tous les autres que tu as croisés dans ce laboratoire qui est étonné de te croiser là et qui fait « Oh, monsieur Bourbon, bienvenue. » Bah écoutez, merci. On a reçu quelque chose ou... Vous êtes au courant de quelque chose, vous non ? Vous faites référence à Alexi, monsieur ? Voilà. Ah, bah enfin quelqu'un. Non, qui, bon, pas encore, mais nous avons quelqu'un qui va prendre contact avec vous pour organiser sa récupération. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Il faut que vous donniez vos accords, il faut que vous donniez le budget pour cela. Donc quelqu'un prendra contact avec vous pour gérer tout ça. Probablement d'ici, probablement d'ici de la fin de la journée, je pense. Très bien. Eh ben merci bien. Sinon, ça bosse sur quoi en ce moment, les gars ? En bas ? Ouais, ou en haut, quoi. C'est le fait que mais ça bosse, quoi, du coup. Ah bah, évidemment. Si vous souhaitez savoir sur quoi, moi, personnellement, je travaille, actuellement, nous sommes en train de tenter de développer un outil de contrôle mental. Entre autres, pour permettre un fonctionnement au sérum de vérité, entre guillemets. Ah, mais d'accord. Mais c'est vachement bien, ça, dis donc. Ça marche un peu, non ? Nous en sommes au début, mais c'est plutôt efficace pour l'instant. C'est pas parfait, ceci étant. Très bien. Très bien, très bien. Génial. D'autres trucs, sinon, en cours, en ce moment Énormément de choses, mais vous listez tous les projets du laboratoire, ce serait trop compliqué, monsieur. Mais je veux dire, bon, avant que là, on se mette... Parce que là, vous savez que là, attention, hein, dès qu'on reçoit l'Axi Company, tout le monde sur le qui-vive, voilà. Mais vous j'imagine qu'il y a bien un petit projet du moment. Vous souhaitez mettre tout le monde sur l'Axi, monsieur ? Oh, bah là, on va y aller comme... Ah bah, attention, hein, attention, là, on va quand même... Attention, s'il y a des projets en cours qui nécessitent quand même... Parce que moi, c'est pour ça que je demande ce que vous faites. Hein, s'il y a des projets en cours qui nécessitent des trucs, on va vous laisser quand même... Hein, on va pas laisser pourrir certains trucs, mais on va mettre un maximum de l'effectif sur l'Axi, les gars. Entendu. Non, actuellement, il n'y a pas de projet particulier. Ici, on s'inquiète un peu des soucis d'énergie qui se profilent avec la disparition des énergies fossiles. On essaye de trouver un moyen facile d'alimenter la cité en électricité. On essaye de retrouver dans des vieilles notes des années 2020 sur des énergies renouvelables, ce genre de trucs qu'on a un peu abandonné depuis la construction des cités-états. Mais disons que c'est plus ou moins notre fer de lance actuellement de rechercher, d'éviter le blackout en ville. D'accord, on a des pistes On a trouvé un truc assez intéressant, perdu dans des archives de 2010-2020. Ils appellent ça... alors il y a, pour ce qui est de l'électricité, ils appellent ça genre panneaux solaires. Genre c'est des trucs qui captent l'énergie du soleil. Après c'est vrai qu'on a beaucoup de nuages, de pollution, de pluie. Donc ça va être peut-être compliqué d'utiliser ça, mais on y réfléchit. Il y a des éoliennes qui permettent de récupérer l'énergie du vent. Enfin, on a des pistes, on est en train de les creuser pour essayer de les rendre... Parce qu'à l'époque c'était pas rentable du tout, enfin c'était de la baise. Donc voilà, on essaie de faire en sorte qu'aujourd'hui ça fonctionne bien et que ça puisse vraiment alimenter la cité-état de façon fonctionnelle et parfaite. Ça va être compliqué de trouver... des sources d'énergie qui permettent d'alimenter la population de toute l'Europe de l'Ouest, d'autant plus maintenant qu'elle est réunie à Néo-Paris, mais voilà, on va faire en sorte de donner notre maximum pour permettre ça et se départir des énergies fossiles. D'accord, d'accord. Eh ben génial, les gars. Bah, très bien. Écoutez, vous faites... bon, à partir du moment... N'hésitez pas, faites-moi un petit récap quand même de sur quoi vous bossez en ce moment, tout ça. Je me ferai une petite lecture ce soir ou assez vite. Ça m'intéresse. Hein. Tenez-moi au jus, là, on va peut-être changer 2-3 trucs. D'accord ? Alors, j'ai 2-3 idées notamment. On va, mais bon. Vous souhaitez, monsieur. Un petit récap. Voilà. Est-ce que la fin de journée est loin ? Là tout de suite non, il est il doit être ouais 15-16 heures. Un peu plus peut-être. 16 ans on va dire. Donc d'accord. Donc, on sait pas encore, c'est pour timer à peu près de quand je sais que je vais avoir à peu près les nouvelles de la personne, quand est-ce qu'on peut lancer un petit peu la procédure de... Qu'est-ce que tu fais ? Tu restes au bureau, tu remontes chez toi, tu te balades en ville, tu danses la carioca ? Oh bah écoutez, moi je vais faire un petit tour encore, moi je veux voir le labo, je continue de faire un tour, essayer de voir si je peux pas trouver des gens.
Il y a des gens, il y a plein de gens. Ouais, je vais parler au premier que je croise encore. Ok. Tu lui parles quoi? Tu lui demandes quoi? Tu lui dis quoi? C'est qui déjà? C'est un scientifique qui est dans un laboratoire en train de travailler avec des rats, visiblement. D'accord. dites-moi, excusez-moi, bonsoir, bonjour, comment vous appelez? Bonjour, moi ça va être Grégoire Dufond. Ah oui, il y a Grégoire du coup. dites-moi Grégoire, la standardiste, c'est le tempérament, c'est constant ou c'est spécialement parce que c'est moi ou... Je sais pas qui était chargé de la réception aujourd'hui, vous sauriez me dire son nom? Sophie! Ah, elle aime pas être en poste de réception parce que ça ralentit ses travaux. D'accord. C'est... Sophie, là? Je sais pas du tout. Elle est dans le laboratoire auquel je n'ai pas accès, monsieur. D'accord. Merci bien. Merci, mon cher Grégoire. Vous pouvez continuer vos machins avec les rats, là. Génial. Est-ce que je peux aller vite fait sur le PC oui. de mon bureau avant de me barrer du laboratoire, voir un petit peu sur quoi bosse Sophie? Elle n'est pas à la réception. Sophie est responsable d'un projet auquel même toi tu n'as pas tous les accès. C'est un projet qui n'est pas mené par la Care Corp. C'est un projet qui est mené par la corporation qui possède Washington. Enfin, les États-Unis et donc la cité-état de Washington. C'est un projet qui est mené là-bas et en fait, elle collabore avec eux sans doute parce qu'il y a besoin d'entraide. Mais même toi, tu ne sais pas quel type de projet. Tu sais le domaine. C'est informatique, numérique et internet. Mais tu ne sais pas plus que ça. Tu n'as pas les accès sur ça. Vraisemblablement parce que tu n'en as pas besoin et que c'est pas toi qui es responsable du projet. C'est la corporation de Washington. D'accord. Je me refais un petit post-it sur Sophie. Je me marque quand même à rechecker, entre parenthèses, suspect. Suspect. Point. Ok. D'exclamation. Ouais, c'est bien, point d'exclamation, c'est pas mal. Okay. C'est pas mal. Ouais, suspect. Voilà. Écoutez, moi sur ce. On frappe à la porte de ton bureau. Ça, ah! Oui, allô? Allô? Oui? Qu'est-ce que c'est? Bonjour, bonjour, c'est Sophie, monsieur. Oui, bonjour, Sophie. Puis-je entrer? Bon, si vrai. Si vous avez pas que ça à foutre, ça vous allez pas. Allez, rentrez. Elle ouvre la porte, elle a un ton grave. Derrière elle, il y a. Comment il s'appelle ce con? Léon Gantin. Ah! Qui était au conseil. Qui était au conseil ce matin. C'est monsieur qui a pas l'air commode, quoi. C'est ouais, le deuxième que j'ai présenté, celui qui a vraiment pas l'air commode. C'est ça. Excusez-moi, Monsieur Bourbon. Oui, Monsieur Gantin. Vous n'avez pas utilisé ce que nous vous avons envoyé pour venir ici? Eh ben, non, parce que pour gagner vachement. On a gagné du temps d'ailleurs, hein, ça s'est vachement bien passé au final. Hey. Est-ce que vous me prenez pour un abruti, Monsieur Bourbon? Écoutez, vous savez bien que non. C'est juste que je préfère être proche des gens et ne pas non plus... Monsieur Bourbon, si nous mettons en place des mesures de sécurité pour s'assurer la discrétion des membres du conseil et la discrétion de ce laboratoire, ce n'est pas pour qu'en une journée de poste, vous foutiez tout en l'air. Je vous avoue... D'accord, Monsieur Gantin, j'essaierai, tant que faire se peut, de m'habituer un petit peu. Voilà, tout ça, c'est-à-dire que, bon, vous savez, avec la médiatisation et tout ça, là, qui est arrivée récemment, j'ai juste envie d'être un petit peu tranquille, sans forcément encore utiliser les trucs. J'ai su, voilà, oui, Monsieur Gantin, j'ai su rester simple. Voilà, c'est tout.
Fais-moi s'il te plaît un test d'éloquence. Alors. Alors oui. Donc 2 dés d'éloquence, 1 dé de convaincant et les bonus en éloquence de tes vêtements sur un dé. Alors 2 dés d'éloquence. 2 dés d'éloquence. Voilà. Ensuite, 1 dé de convaincant. Ensuite, et... 1 dé de convaincant et 1 dé du bonus d'éloquence de tes vêtements. Ah, je lance 4 dés. Et du coup, le dernier à 0. D'accord. Le bonus d'éloquence de mes vêtements qui est de... 1. 1 C'est ça, hein, ça. Ah ouais, c'est 1. D'accord. Seulement. Ok. Pourtant. Ah, attends, j'ai mis point plutôt que virgule. Je sais pas si ça marche aussi, ça change rien. Ça marche aussi, d'accord. J'ai bien codé mon bot. Le monsieur Gantin, le Léon Gantin, se calme en fait après ton discours. Bon, écoutez, je vais être simple et clair. Vous vous faites implanter avant la fin de la semaine ou je vous vire du conseil? Moi-même. Et, bah, et dès que vous sortez en dehors du quartier des étoiles, vous utilisez l'implant que nous vous avons fourni. Eh ben, écoutez, monsieur Gantin, on va partir là-dessus, Ça me semble pas mal, hein. Vous êtes disponible quand? Écoutez, faut voir avec Sophie, niveau de l'agenda. Je ne gère pas votre agenda, monsieur. C'est bien ce qui me semblait. Alors, on se rappelle, monsieur Gantin, non? Non, j'ai besoin d'une réponse maintenant, monsieur Bourbon. Eh ben, mercredi. On est quel jour là? Qu'est-ce que alors? Nous sommes lundi, donc après-demain. Après-demain, monsieur Gantin, c'est pas mal, monsieur Gantin, ça. Hein. Très bien. Ici, mercredi, 10h du matin. On fait ça ici! Nous avons tout l'équipement nécessaire au sous-sol. Bah, monsieur Gantin, vous m'envoyez ravi. Et au moins, vous serez sur place pour travailler. Oui. Il se retourne sa veste, il s'en va, il ne dit même pas au revoir. Après tout, il avait l'air plutôt en colère. Voilà. Sophie se retourne avec lui et repart malheureusement faire la réceptionniste. Eh bien, ils font bien la paire, les deux. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, moi, j'allais me barrer à la maison parce que, bon, j'ai pas grand-chose à foutre ici. Tant qu'on n'a pas commencé l'histoire de... Okay. Taxi. Donc tu sors, tu te diriges vers l'ascenseur, tu remontes. À un moment donné, dans les rues qui mènent à l'ascenseur, quelqu'un d'un peu alcoolisé vient t'interpeller. Il est plutôt costaud, il est plutôt rond. Comme une... Merde, j'ai oublié l'expression. Bref, bourré. Rond comme une queue de pelle. Merci, rond comme une queue de pelle. Et il a l'air plutôt agressif. Okay, pour l'instant, okay. Tu le vois juste arriver. Il n'a rien dit, il n'a rien fait. Tu vois qu'il se dirige clairement vers toi. Génial. Qu'est-ce que bon tu moment. Fais 5, 4, 3. Pour l'instant, je dis rien de spécial, j'attends qu'il commence à arriver. Voilà, hein. Il arrive vers toi, il te pousse au niveau des épaules. Fais-moi, s'il te plaît, un test d'agilité. niveau de l'agilité. Donc, 2 dés d'agilité. Voilà. Ça non. Et c'est tout. 2 dés d'agilité, tout le reste à 0. Ah d'accord. Alors attends.
Alors, deux jets d'acier. Ah bah, génial. On va passer un bon moment. Eh bah, formidable. Génial. Donc là, j'ai mal. J'ai pas regardé le résultat. Échec moins 1. Tu tombes légèrement en arrière. Tu trébuches. Tu tombes sur les fesses, littéralement. Donc tu es à terre. Je vais afficher ça. Et enlever ça. Et afficher ça. Voilà. Donc ça, c'est la ruelle. Ça, c'est lui. En rouge, c'est toi. On va garder le code rouge égale toi. Tu te fais pousser en arrière. Je vais te laisser te retirer un point de vie pour le principe. Ah d'accord. Après alors, tout ça santé. Fait mal. Donc tu te retires un point de santé. Donc tu les enlèves depuis la droite. Hein. Si jamais. Je précise pour les viewers, vous n'allez pas avoir les points de vie du personnage parce que ça n'aurait aucun intérêt et que ça aurait été très compliqué à gérer. Mais à la place, quand... Donc voilà, vous voyez sur sa fiche, il y a des grosses cases qui servent un peu de palier. Quand il atteint ses paliers, je ferai moi apparaître sur l'affichage des petits trucs comme ça pour symboliser. Donc là, les gouttes de sang, c'est sa santé. En gros, plus il a de gouttes de sang, moins il est en état. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas de base. Et pareil sur les éclairs, c'est son énergie. Donc plus il est fatigué, plus il a d'éclairs. Donc voilà, là pour l'instant, il a rien du tout. Il n'a pas atteint le premier palier, rien du tout. Voilà. D'ailleurs, il faut que je fasse quelque chose pendant que j'y pense. Ok. Tu te retrouves à terre. Et du coup, l'homme agressif, alcoolisé, qui t'a poussé, te regarde. Tu vois sur son visage une expression de... Il est même pas capable de tenir debout. Fils de... Voilà. C'est plus ou moins ce qui passe sur son visage. Évidemment, il dit rien de tout ça, mais c'est ce qui passe sur son visage, c'est ce que tu lis sur son visage. D'accord. Bah du coup, moi, je... je lui demande si... je fais... Bah du coup, je fais... je sais pas, peut-être en 10 ans, j'ai peut-être perdu les coutumes et tout ça, mais du coup, c'est pour dire bonjour, c'est vachement... non, sinon, juste bonjour, serrez la main ou quoi que ce soit. Ou sinon, vous m'interpellez. Vous m'appelez, là, je veux dire. Bon, ta gueule. Me demandez mon attention. Ah ben non, mais est-ce que... Bon, monsieur. Que me vaut l'honneur? Que me vaut l'honneur? Qu'est-ce qu'il y a? Il vient te prendre au niveau du cou. Ah. Il te relève. C'est de l'affection, c'est ça. C'est l'affection. T'es vaguement sur tes pieds. Oui. Et il fait... Je sais d'où tu viens, fils de pute. Tu refous pas un pied dans le quartier où je te dégomme. D'accord, écoutez, formidable, j'en prends note. J'en prends note, c'est formidable. Et arrête de faire le malin. D'accord, il n'y a pas de souci. Par contre, au niveau de l'odeur, c'est quand même il t'en retourne une. Il t'en retourne une. D'accord. Je fais un test. Tu n'es pas en capacité d'esquive, donc je te laisse même pas la possibilité, je vais lancer. Hop. Le bot, il marche pas, il marche un peu du cul quand même. Ok, réussite plus 1. Je te laisse te retirer. Ah de 3 PV supplémentaires. Ah oui. Bah, il a des grosses mandales, le monsieur. J'ai dit qu'il était imposant. Hein. D'accord. Tu t'es pris une violente mandale dans la gueule au moment où tu essayais de faire le malin face à cet individu qui, visiblement, n'a pas envie de rire. D'accord. D'accord. Eh ben écoutez, j'en prends note. Je lui dis, hein, j'en prends bien note. Merci. Formidable. Enfin, j'essaie d'articuler. Après, je sais pas si je peux encore articuler vraiment, mais aussi ça va. Là, ça va. T'es encore bien. Arrivé au premier palier, j'aurais dit ça devient compliqué, mais là ça va. Non, mais je lui dis, j'en prends note. Si à l'occasion, on se recroise, hein, bon, bah, c'est rare. Je veux pas te revoir ici. Tu mets pas un pied au quartier du progrès. Je revois ta tronche, ou quelqu'un revoit ta tronche, je t'éclate. Ok. Est-ce que j'ai été clair? Dans l'absolu, je dirais bien, bon, je vais pas demander à remarquer une deuxième fois le... Hein? Bon, je pense qu'avec le... Déjà, avec la poussette, bon, on a compris, avec la tarte, c'est déjà surplus, quoi. Bon, voilà. Il te lâche, t'étais pas prêt, donc tu retombes par terre, je vais pas te enlever de point de vue supplémentaire. Tu retombes par terre, il fait demi-tour et il commence à se barrer, sans plus. D'accord. Eh ben génial.
Tu fais rien de particulier? Je lui dis merci bien. Non, non, je dis bonne soirée. Voilà, en tout cas, être poli avec les gens, parce que merci bien, non, c'est... Mais au moins, bonne soirée. Bonne soirée. Reste en courtois. Ok. Au limite, il aurait fallu dire bonne fin de journée, parce que c'est vrai que c'est un peu... Bon, c'est... on commence à s'approcher de la soirée, mais... Très bien. Pique la gueule, quand même, hein, ce con. Un peu, ouais. Tu... accèdes à l'ascenseur... Et pendant ta montée dans l'ascenseur, tu entends ton téléphone sonner, tintouiller d'une petite musique qui t'informe que tu as reçu un message textuel. Ok. Que dit ce message ? Il est envoyé et signé par un certain Nicolas Kernel. Et te dit « Bonjour ». Je suis l'envoyé, je suis l'agent envoyé par la CareCorp pour vous aider à trouver de l'axitinium. Rejoignez-moi ce soir à 21h, suivi d'une adresse. Rendez-vous ce soir à la taverne. Alors, d'accord, on sait pas c'est quoi le lieu, on a juste une adresse en plus. Tu peux taper sur Maps si tu veux. Bah, je veux bien faire ça d'ailleurs, je tape sur Maps. C'est une adresse qui se trouve au quartier du Renouveau, donc le quartier le plus bas de Néo-Paris. Génial. Voilà. Ok, ok. Rendez-vous ce soir. Ouais. Ok, ok. Bah écoutez, nickel. Bah, moi, je vais rentrer à la maison, du coup. Tu fais quelque chose de largement le temps de... Ouais, c'est ce que j'ai demandé. Tu fais quelque chose de particulier en attendant le meet-up en bas ou pas? Je demande à Norbert s'il a pas des glaçons. Bien sûr, monsieur, mais pour quoi faire? Non, hein, je me suis fait des copains. pour mettre sur la joue, c'est... Je suis pas sûr que le conseil d'administration soit heureux d'apprendre ça, monsieur. Ah ouais, bah, ils sont bien gentils, mais il faut voir les gabarits qu'on se travaille aussi, attention là. Hein. Dites-moi Norbert, je sens que vous avez une petite idée, là, parce que bon, c'est pas sécure, on va pas se mentir. Ce soir 21h, ça pue pas un peu du cul, non? Je sais pas, vous, pourquoi faire? Rien, c'est que je dois aller dans le quartier le plus bas. Le Renouveau. Le Renouveau, je dois aller au Renouveau, exactement. Quartier du Renouveau. Est-ce que ça pue pas un peu du cul? Que je sais pas qui vous a demandé d'y aller. Écoutez Norbert, que ça peut vous foutre au bout d'un moment, je dois y aller. Voilà, je vous demande un conseil. Ce serait la CareCorp qui vous y aurait envoyé, je vous aurais dit, pas de soucis, a priori ils savent ce qu'il faut faire pour assurer votre sécurité. En toute autre mesure, je vous aurais bien dit, restez à la maison parce que ça craint. D'accord. Ah, voilà, là c'est cohérent Norbert, là voilà, là c'est utile comme information. Merci bien. Bah, merci bien Norbert, écoutez. Filez-moi les glaçons et puis commencez à préparer. Parce que ce qu'on va pas, il y a du tout les aller en limousine. Sinon, c'est cramé. Bah, du coup, Norbert, ce soir, je sais pas, faites ce que vous voulez, faites des mots fléchés, ou j'en ai rien à foutre, mais voilà. Et moi, je ne suis pas là ce soir. Donc, éventuellement, si vous voulez préparer un petit truc à grailler pour quand j'entre, là, je dis oui, Norbert. Vous entrerez à quelle heure, monsieur? Afin que ce soit chaud quand vous rentriez et que vous puissiez directement mettre les pieds sous la table. Écoutez, c'est flou. C'est flou, je vous dirais bien un petit 22h30, 23h, mais si ça s'éternise... Entendu, je prépare le repas pour 23h, et si jamais vous n'êtes pas rentré, je le mettrai au chaud. Bah voilà, Norbert, oui. Très bien. Il te laisse avec une poche de glaçons. Tu es tranquille dans ta partie de ce logement qui est tien. Qu'est-ce que tu fais en attendant le rendez-vous, si tu fais des choses particulières?
Oh, bah en vrai, je pense que c'est plutôt posage sur canapé ou un truc comme ça, et puis ça glandouille, ça réfléchit un petit peu à tout ça, repenser à tout ça, allumer éventuellement. Ouais, pas forcément. Ouais, allumer la télé par réflexe, mais tu la regardes pas vraiment, tu repenses un peu à tout ça, et puis le temps file. Voilà quoi. Ok. Mais rien de particulier. Je vais te laisser récupérer un point de vie. Ah! Et tu vas gagner 3 points d'expérience. D'accord. Donc je te laisse cocher dans ta barre d'expérience 3 cases. Je te précise du coup parce que les coups, je les ai définis. C'était pas le cas au moment où on a créé la fiche perso. Ouais. Pour faire court pour les viewers et pour rappel pour toi, l'expérience sert à plein de choses dans ce jeu de rôle, mais elle va entre autres servir à payer des level up, c'est-à-dire on va utiliser des points d'expérience pour avoir des level up, ou on peut l'utiliser en jeu pour des actions particulières. Par exemple, on peut l'utiliser pour relancer des dés, on peut l'utiliser pour gagner une action de plus en situation d'urgence. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses. Du coup, là, t'en as 3. Toutes les petites actions, donc relancer des dés, avoir une action supplémentaire en situation critique, ou poser une question de vérité au MJ, ce sera 5 points d'expérience. Ça coûte 5 points d'expérience. Et tout ce qui est level up, ce sera 10 points d'expérience par level up. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Je crois que tu me le rappelles. T'en fais pas. De toute façon, si à un moment donné, t'as envie d'utiliser un bonus ou de faire un level up, tu me dis et je te rappellerai combien ça coûte. Yes. Mais voilà. On se met en route ? Ben exactement. Tu descends, comme tu es venu le matin, en bas, tu arrives au quartier du Renouveau. Je pense pas avoir d'illustration du quartier du Renouveau, je suis pas sûr que j'en avais prévu. Je vais regarder ça, mais j'y crois. Zéro ! Oh, une barre des tâches, c'est magnifique. Non, je vais pas pouvoir vérifier, non, je dois pas en avoir. Je vais remettre la même que tout à l'heure. C'est dans l'histoire, ça ? Non, pas du tout. Hop, voilà, je vais remettre celle-là. Et du coup, tu arrives en bas, à Sorcy, il y a plus grand monde qui prend les ascenseurs dans les quartiers hauts. Le monde commence à te rejoindre, quartier de l'égalité, quartier de la fraternité, etc. Et tu arrives en bas. Trois choses te marquent par rapport à ta vie depuis ces 15 derniers jours. C'est crade, ça pue, c'est humide. Et relativement désert. Par rapport à ce que tu aurais pensé du quartier le plus bas de la ville, c'est relativement désert à cette heure-ci. Il y a beaucoup de machines qui continuent de travailler, t'entends des bras robotisés qui s'activent, t'entends des tapis roulants, machin. T'es clairement dans un quartier complètement industriel. Tu te rends à l'adresse indiquée. Face à toi, il y a un homme blond, étonnamment charismatique, pour le quartier, qui te dévisage. T'arrives pas forcément à comprendre ce qu'il pense, mais juste tu remarques qu'il a une façon bizarre de te regarder. Et au moment où il s'apprête à te saluer, que tu le vois légèrement hocher la tête vers toi, il t'a visiblement reconnu, donc il hoche la tête, il te salue. Ouais. Une détonation retentit. Et quoi qu'il arrive à partir de maintenant, ce sera la suite de cette histoire qu'on ne jouera pas aujourd'hui, mais dans 15 jours. Oh là là, le suspense, l'explosion, tout ça. Toujours. Là.